Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur les routes de l'Alpiser Tour. 31e édition déjà de cette, de cette épreuve internationale de classe 2, comprenait tout simplement une épreuve professionnelle avec de nombreuses équipes continentales. Aujourd'hui, en direct de charvieux chavagneux pour ce qui est la première des cinq étapes que nous allons vivre ensemble sur les différentes plateformes, sur Facebook, sur YouTube et également sur Télé Grenoble, bien évidemment pour tous les, les téléspectateurs. On va vivre effectivement cinq journées ensemble. Vous voyez d'ores et déjà la carte des différentes étapes. Une première étape aujourd'hui relativement courte autour de Charvieux-Chavagneux et on partira donc euh, ces jours prochains sur d'autres étapes on ira visiter les abrins en et Saint-Quentin-Falavier sur la journée de demain l'étape entre l'aéroport de Saint-Exupéry et Tousieux ce sera vendredi Saint-Maurice-L'Exil beau repère ce sera sur 171 km ce samedi l'étape reine en fin dimanche l'étape de la Chartreuse qui arrivera du côté d'Alvar-les-Bas après un départ d'entre deux guillets les échelles pour la cinquième et ultime étape, voilà ce qui nous attend tout au long de ces cinq jours pour une épreuve assez historique. jean-claude, tu as vécu un certain nombre, nombre d'éditions justement. c'est la 31e aujourd'hui, effectivement, une épreuve qui continue de grandir. oui, tout à fait. je les ai toutes vécues, d'ailleurs, entre parenthèses, euh, ce qui ne nous rajeunit pas, alors que apparaissent à l'écran, donc, les palmarès, les dix derniers vainqueurs, d'ailleurs, donc, de ceux qui le tourneur Isère, puis le Rhône-Alpizère Tour et aujourd'hui Tour. Ce qui est à noter effectivement, c'est que cette année, donc, l'épreuve se déroule dans le département de l'Isère. Il n'y a qu'un seul département qui est concerné par, par cette épreuve, le département de l'Isère. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a ce changement de nom, l'Alpe-Isère-Tour. Voilà, donc nous avons maintenant euh, le départ fictif de cette première étape. Oui, qui avait été donné euh, tout à l'heure, effectivement, depuis charvieux chavagneux euh, déjà qui accueillait euh, la, la présentation des équipes et le départ, un départ fictif sur 5 km de défilé. On a tendance... À, à l'appeler comme ça. Pour les 5 premiers kilomètres, le temps de sortir de Charvieux-Chavagneux et d'attaquer ensuite sur les chapeaux de roue, puisque le départ réel a été ensuite donné pour une étape que l'on attend ultra rapide et que l'on annonce déjà ultra rapide effectivement avec les 118 km à, à parcourir 118 km relativement plat qui vont ramener les coureurs petit à petit jusqu'à nous et jusqu'à surtout ce circuit final puisqu'on aura trois reprises à couvrir les 4 km du parcours le départ réel qui a donc été donné dans la foulée et déjà les premières offensives que nous avons pu voir avec des coureurs de la groupe AMAFDJ continental notamment qui avaient à cœur de dynamiter l'épreuve dès le départ 118 km et on le voit effectivement sur les, les images tournées tout à l'heure un hein, départ Jean-Claude ultra rapide oui c'est euh, effectivement la, la tradition sur euh, l'Alpizer Tour en plus de cela donc il faut signaler que dans cette première étape on a un, un sprint au terme de 8 km c'est la raison Effectivement, euh, ça roulait très très vite pour euh, aller chercher ce sprint et ces bonifications attribuées à chaque sprint intermédiaire. Et c'est vrai qu'on est parti à plus de 50 à l'heure sur ces 10 premiers kilomètres de course pour qu'effectivement euh, on puisse disputer ce, ce premier sprint intermédiaire. Il y en a trois sprints et il y a trois classements comptants pour le Grand Prix de la Montagne aujourd'hui. Genre ne vous laissez pas tromper, c'est plus que ça en a l'air, regardez bien l'échelle d'altitude, on va pas montrer très haut aujourd'hui en tout cas on attendra les, les jours suivants. Aujourd'hui on va se concentrer sur cette étape autour de charvieux chavagneux Monsieur le maire nous avait accueillis pour libérer le départ euh, tout à l'heure et je crois qu'on va d'ailleurs retrouver son, son interview. C'est un véritable plaisir pour Charvieux-Chavagneux d'accueillir à nouveau l'Alpizère Tour. Et c'est aussi un plaisir dans la continuité parce que je me souviens de ce tour du Nord-Isère qui a été soutenu très fortement par les maires du Nord-Isère. Je parle et pense tout naturellement à mon ami Achille Paoli qui était maire de la Verpillière. Avec Charles Chavagneux, nous avons constitué un véritable tandem et d'autres maires comme le maire de Saint-Quentin-Falavieux bien entendu pour aider ce tour au départ et pour faire en sorte qu'il puisse prendre son essor. Nous l'avons aidé, et je me souviens avoir été vice-président de la région Rhône-Alpes, nous l'avons aidé également au niveau de la région. Et au fil des années, ce tour cycliste a progressé, il a attiré de plus en plus de, de grands coureurs et cela nous a permis de faire un événement sur le d'abord. Puis ensuite au niveau de l'Isère, puisque aujourd'hui nous commençons à Charles-Chavagneux, mais nous terminerons à Alvar. Donc c'est toute l'Isère qui maintenant bénéficie de l'événement. Et c'est également l'événement qui bénéficie de l'Isère. Je crois que c'est une bonne chose. La ville de Charvet-Chavagneux est particulièrement attachée au cyclisme. Et depuis de nombreuses années, nous faisons confiance à nos équipe remarquables menée initialement par le président Calabra et qui aujourd'hui Confirme cette année les excellents résultats qu'elle avait déjà affichés au fil des années. Il suffit de monter l'escalier de l'hôtel de ville pour voir le nombre de champions de France et même un champion du monde qui sont venus enrichir le palmarès de ce club. Donc, tradition avec le cyclisme pour Charvieux-Chavagneux et soutien régulier à ce sport remarquable où la volonté finalement, l'emporte toujours, quels qu'aient pu être les gens qui dénigraient ce sport, je crois que chaque fois, chaque fois, ce sport montre que c'est un des plus difficiles que l'on connaisse. Ça dénote aussi chez les sportifs, chez les coureurs, une véritable capacité à se surpasser. Et je crois d'ailleurs, c'est un bel exemple, parce que nos coureurs de char de chavagneux était fréquemment recherché pour être embauché dans des clubs où on avait besoin de cette pugnacité. Donc beau club à Charlie Chavagneux et puis remarquable le course qui, avec la volonté de Michel Beau, avec l'ensemble de ses bénévoles qui l'accompagnent chaque année, permettent donc une remarquable organisation, ont permis de faire progresser ce, cet Alpizerto qui arrive aujourd'hui. Un excellent niveau, et j'espère je, que ce sera encore une grande fête du sport, comme à l'habitude, mais qu'une fois de plus, nous allons progresser et que nous allons dépasser ce que nous avions fait dans le, dans le passé. Voilà. Rendez-vous donc le 25 mai pour une véritable réussite, et puis bien sûr, rendez-vous avec l'Isère jusqu'à Alvar avec le final qui sera là encore la fête du sport. Voilà, c'était les, les mots de, de bienvenue de Monsieur Desandes, maire de Charvieux-Chavagneux, qui accueille traditionnellement cette, cette première étape. D'ailleurs, on retrouvait en même temps que, que son interview les différentes images de l'étape de l'année dernière qui s'était déroulée, Jean-Claude, sous la pluie. Mais effectivement, cette étape de Charvieux-Chavagneux qui est devenue eh bien, le, le, finalement la tradition sur la route de lalpe Tour. Oui, exactement. Ça fait très précisément 26 ans que lalpe donc fréquente Charvieux-Chavagneux et c'est vrai qu'on a Toujours grand plaisir à retrouver ces magnifiques circuits du Nord Isère. Voilà donc, alors que nous sommes à 60 km là maintenant, un petit peu plus de 60 km de l'arrivée de cette première étape, Lilian va nous présenter donc l'échappée du jour. Effectivement, avec déjà 4 quatre, quatre coureurs qui ont pris le large assez tôt. Alors, c'était pas les premiers attaquants hein, qu'on a vu démarrer dès le départ réel tout à l'heure, mais une échappée qui s'est formée assez rapidement avec 4 coureurs pour ouvrir la route. Et parmi eux, eh bien sans surprise, j'ai envie de dire, les couleurs du club local, du club de Charvieux-Chavagneux-Isère Cyclisme. On va redétailler cette échappée avec. La présence effectivement à l'avant d'un coureur de la formation Metec Solarwatt Mantel, c'est le néerlandais Jordan Habets, récemment quatrième sur une épreuve assez similaire. Donc en termes de, de niveau en tout cas, c'était le circuit des Ardennes. On retrouve Anthony Chamra Dumont, le coureur du vélo-club Villefranche-Beaujolais, dans cette échappée. Il a brillé le week-end dernier du côté de Montluçon. On l'a vu également briller en, en cyclo cet hiver, lui qui était rentré dans le top 10 d'un championnat de France encore il y a quelques mois. Dans cette échappée également... À louis charin le coureur de la formation tudor pro cycling team le coureur français qui évolue dans les rangs de cette équipe suisse continentale une échappée complétée par le champion Verne en alpes de contre-la-montre c'est quentin Bezza pour la formation Local de Charvieux, Chavagneux, Isercyclisme, Cyclisme, une échappée qui avait aux dernières nouvelles 1 minute 30, 1 minute 35 d'avance. Je ne suis pas certain, Jean-Claude, que l'écart évolue beaucoup plus puisqu'on sait que les principales formations aiment garder sous contrôle cette première étape qui peut sourire à un sprinter tout à l'heure. En tout cas, on semble effectivement parfaitement s'entendre au sein de, de, de cette euh, échappée. Euh, les relais tombent euh, de façon très euh, régulière. Une information aussi sur le, sur le temps et le, le climat. Il fait très très beau aujourd'hui euh, sur la région de Charvieux-Chavagneux et que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année dernière, c'était des, des orages incessants avec euh, de la grêle par moment. Là, aujourd'hui, on a retrouvé un, un chaud soleil. Euh, et c'est vrai que ce temps est pratique particulièrement propice au, au vélo, à la pratique du cyclisme en tout cas. Euh, un peu de vent par contre, il faut noter que le vent vient du nord cette fois. C'est vrai qu'on pensait euh, au départ de cette étape à la formation de, de bordures hein, tout simplement, notamment euh, bien entendu au sein de, de ce peloton. Il n'en est rien pour l'instant, mais et je rappelle qu'il reste encore euh, 60 km de course. Nous sommes dans les environs de... de Morestel, où doit avoir lieu le, le sprint euh, en or polar. Ensuite, il restera bien entendu euh, la côte de Chapeau Cornu, classée en troisième catégorie. Euh, C'est à 51 km de l'arrivée. Et le dernier sprint euh, au 81e km à Vénérieux, tout près du lac, euh, portant le, le, le même nom, bien entendu, avant de rejoindre, euh, Lilian Couillet le disait tout à l'heure, le circuit d'arrivée, avec un circuit cette fois qui était, euh, j'allais dire, raccourci a par rapport aux années précédentes, il ne fait que 4 km. Effectivement, 4 km à parcourir à trois reprises et on suivra l'ensemble des coureurs et la préparation d'un éventuel sprint. Ceci, si sprint, il doit y avoir tout à l'heure sur la ligne d'arrivée à Charvieux-Chavagneux qui est la même que les, les précédentes années, mais avec effectivement un parcours un, un petit peu raccourci. Il faudra donc être bien calé dans les roues, ne pas prendre de, de retard sur ce circuit de 4 km, circuit final, alors que l'écart justement entre l'échappée et et le peloton est maintenant d'environ 1 minute et 40 secondes à moins de 60 km de l'arrivée. A noter qu'on a donc déjà franchi le premier sprint, bonification. Attention, puisque deux enjeux sur ces sprints intermédiaires, notamment sur le premier, disputé au bout de 9 km dans la traversée de Hier-sur-Ambi, et bien l'occasion d'aller marquer des points pour ce maillot distinctif du classement des... 3 secondes de bonification pour, pour le premier. Et à ce petit jeu, c'est Quentin Jorégui pour la formation BNB Hôtel qui est allé chercher eh bien, ces secondes de bonification. Et cela pourra jouer effectivement dans les, dans les jours à venir et pourquoi pas dès ce soir, puisqu'il faudra aller te chercher ce maillot jaune ce soir. Bien sûr. En rappelant donc euh, dans ces sprints euh, bonifications, le vainqueur donc euh, empoche les points dont Lilian Coyer vous parlait tout à l'heure, mais aussi donc trois secondes de bonification, le deuxième 2 secondes et le troisième 1 seconde de modification. Sachant qu'il y a euh, 3 sprints euh, intermédiaires, effectivement, ça peut jouer pour euh, euh, l'arrivée ce soir. Ça peut avoir une influence sur le classement général, mais il ne faut pas perdre de vue que le vainqueur de cette première étape ici à Charvieux ce soir. Empochera donc 10 secondes là encore de bonification, c'est-à-dire une petite seconde de plus. Que le coureur qui pourrait remporter les trois sprints intermédiaires, il est important de le, de le rappeler. Euh, le vainqueur du jour à, à Charvieux-Chavagneux, effectivement, euh, aura, le, le, quoi qu'il en soit, donc le, le maillot jaune ce soir. Et ça, c'est important. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, très souvent, effectivement, à, à Charvieux, on arrive pour un sprint, on va dire, groupé. Hein. C'est vrai que le jeu en vaut la, la chandelle. Il est important de pouvoir gagner, de marquer les esprits au terme de cette. De, de cette première étape, elle est courte Lilian cette, cette première étape. On va dire que c'est un comment dire c'est une sorte de, de préambule avec seulement 118 km euh, C'est une étape qui est toujours très 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 rapide bien entendu parce qu'elle est courte et euh, Lilian le disait tout à l'heure sans aucune euh, véritable difficulté puisque la côte de Chapeau Cornu a, doit se situer à 440 mètres d'altitude. Vous voyez que c'est effectivement donc une côte de troisième catégorie qui effectivement ne, ne, ne vaut pas mieux, j'allais dire, que ce, ce classement qui lui a été donné par le comité d'organisation, le COTNI. Voilà, donc euh, c'est vrai que les liens, on semble s'entendre au sein de cette, de cette échappée. Ils ont tout intérêt d'ailleurs, hein, à, effectivement, à, à essayer de s'entendre le plus longtemps possible, mais voyez que l'écart diminue. Hein. L'écart qui était à 1'43 tout à l'heure à la prise d'antenne n'est plus que de 1 minute 11 1 minute 10 euh, C'est-à-dire que derrière, effectivement, euh, euh, ça confirme ce que l'on vous disait tout à l'heure, tout l'intérêt qu'ont les, les coureurs à, à placer leurs sprinteurs et effectivement à, à revenir. Sur cette, euh, sur cette échappée, la, la première véritable échappée d'importance dans cette euh, Al alpes isère de 2022, 31e édition, nous le rappelions euh, tout à l'heure. Oui, effectivement, et j'allais vous dire, Jean-Claude, ils n'ont pas le choix. Hein. Il va falloir effectivement euh, s'entendre parce que la tâche s'annonce bien difficile. Allez, je ne suis même pas certain qu'on qu imagine hein, du côté de ces quatre-là rallier euh, en vainqueur et se disputer la, la victoire à 4 à Charvieux-Chavagneux. Mais néanmoins, effectivement, l'opportunité leur est donné, euh, alors non seulement de, de montrer le maillot évidemment, mais surtout d'aller chercher de, de précieux points dans les différents classements intermédiaires et pourquoi pas de rallier le podium tout à l'heure. On peut être un petit peu plus surpris de la présence d'un coureur comme Aloïs Charin à l'avant, qu'on mmh. pourrait imaginer effectivement à l'aise lorsque la route s'élève un petit peu plus. C'est un garçon qui avait brillé notamment sur le Tour d'Italie Espoir la saison dernière. Dans cette équipe, Tudor, dont on sait qu'elle va continuer de, de gravir les échelons, puisque on l'avait connu sous l'appellation de la Swiss Racing Academy, c'était une équipe continentale. Tudor, le, le partenaire est venu renforcer les rangs pour monter en Continental Pro la saison prochaine, espérer revenir sur des épreuves World Tour. Et pourquoi pas avec des coureurs comme, comme Aloïs Charin, justement, un jeune, jeune coureur qui pourrait évoluer encore avec cette équipe, mais qui aujourd'hui a eh préféré passer la journée à l'avant avec, avec ses camarades d'échappée. Oui, ce qui est important aussi de rappeler, voire de préciser, c'est que... Aloïs Charin euh, aime bien dynamiter les, les courses et dans son tempérament. Il est un peu aussi, j'allais dire, l'un des régionaux de cette étape, hein, puisqu'il est euh, originaire de roman Et c'est vrai que c'est un garçon qu'on a vu l'année dernière dans la dernière euh, étape euh, de ce qui s'appelait le Ronald Pizzer Tour. Euh, et on l'a vu notamment très à l'aise dans les ascensions d'École de Chartreuse. Bon, il a payé euh, l'édition, comme on dit dans le jargon cycliste, euh, au terme de cette de cette étape, bien entendu. Mais l'année dernière, il avait fait merveille et on avait beaucoup entendu parler d'Aloïs Charin dans la dernière étape qui traversait le massif de la Chartreuse, où je pense qu'il est effectivement, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup plus à l'aise. Alors que l'on retrouve à l'image euh, un président heureux, le président du comité d'organisation du Tour d'Henri puisque euh, l'association qui porte ce, cet Alpizer Tour eh bien, est, est restée sur son nom historique, le Codni, et Michel Bop, effectivement, euh, son président, qui est euh, heureux de retrouver l'ensemble de, de ses coureurs, c'est presque les siens, finalement, euh, qui l'accompagnent tout au long de ces cinq étapes. Coup de chapeau à l'ensemble de l'équipe d'organisation qui nous propose cette épreuve, qui nous propose ce parcours, euh, toujours, euh, toujours difficile à tracer. On cherche des, des nouveautés. On est allé chercher des étapes un petit peu plus dans la montagne, notamment avec l'arrivée du massif de la Chartreuse au programme la saison dernière et que l'on va retrouver d'ailleurs sur la cinquième étape cette année. L'occasion peut-être justement eh bien de revenir sur l'ensemble des étapes qui nous attendent, Jean-Claude, sur ces cinq jours, puisqu'aujourd'hui, on l'a dit, c'est une sorte de prologue autour de Charvieux-Chavagneux, un prologue long, 118 km, mais un prologue long pour une étape courte, on va le dire comme cela, puisqu'on est parti pour 2h30 de vélo, hein. l'horaire prévisionnel est, est prévu comme cela, et une arrivée qui devrait être jugée donc aux alentours de 16h30. Demain, on ira chercher euh, la commune des Abrés en Dauphiné pour euh, le départ. On était euh, parti, arrivé déjà du côté de Pressin, euh, dans une commune voisine. Ce sont les Abrés qui accueilleront demain le départ pour une arrivée qui sera jugée à Saint-Quentin-Falavier avant de retrouver l'Est Lyonnais et le départ euh, historique, lui aussi, de l'aéroport Saint-Exupéry. Ce sera vendredi en direction de Toussieux, 145 km au programme. Mais samedi, mon cher Jean-Claude, les plaisanteries sont terminées, on va attaquer les grosses difficultés. Oui, samedi, effectivement, euh, l'étape est longue. Euh, C'est l'étape qui euh, part de Saint-Maurice-l'Exil en direction euh, de Beaurepaire. Euh, donc, une étape euh, longue de 171 kilomètres. Une étape qui, traditionnellement, effectivement, marque les, marque les esprits. Et, et nous aurons cette année encore cinq côtes à, à affronter, avec notamment l'ascension euh, des Chambarans, puis le Mont du Faz. Et effectivement, donc... Un col que l'on va découvrir, mais un col qui est extrêmement euh, difficile. La côte de Varassieux et puis nous descendrons sur Montfalcon, Lantiol pour arriver sur Beau repère d'Isère. Après donc 171 km de course, il y aura trois sprints là aussi à revelle tourdan Viriville et Taudure. Euh, voilà donc le programme de samedi dimanche. Eh bien, ce sera un final de grimpeur où on va retrouver peut-être des équipes espagnoles, les Autrichiens effectivement. Ce sera du cœur de Chartreuse au balcon de Beldon, départ d'entre deux guillets les échelles. Où euh, jadis fut organisé d'ailleurs un, un championnat de France de cyclisme qui restait dans les, dans les mémoires, avec une arrivée à Alvar-les-Bains, euh, une étape longue de 133 km. C'est la cinquième et dernière étape, donc arrivée à Alvar-les-Bains dans le massif de Beldon. On fera donc deux massifs, la Chartreuse pour commencer et ensuite, bien sûr, le massif de Beldon. Un, un beau programme, il y a, nous attend. Effectivement, avec euh, pour la journée de, de dimanche trois ascensions répertoriées en première catégorie, tout autant. En deuxième catégorie, avec notamment l'ascension finale avant l'arrivée qui sera jugée en descente dans la vallée, dans la commune d'Alvar-les-Bains. Mais ce sera après la côte de la Chapelle Saint-Christophe. Donc dernière difficulté de l'Alpizère Tour édition 2022. On n'en est pas encore là, mais toutes ces étapes, on les suivra en direct ensemble les 60 derniers kilomètres tous les jours qui seront diffusés sur... La page Facebook de Black Hole et de l'organisateur sur la chaîne YouTube également et sur Télé Grenoble, bien évidemment, pour vivre ces 5 étapes, 126 coureurs nous ont rejoints cette année, répartis en 21 équipes, et on va d'ailleurs revenir un petit peu sur la start list de cette épreuve avec la formation Metex SolarWatt, PNB Mantel, euh, qui euh, avait brillé notamment sur quelques étapes la, la saison dernière, avec la formation Eunox également, l'équipe Kern Pharma, une belle équipe euh, continentale espagnole que nous retrouverons forcément très à l'aise dans la montagne, la BNB Hotel, qui emmène euh, des coureurs que nous connaissons bien, Cyril Gauthier, Pierre Roland également, qui est euh, aligné au, au départ, la BHSPL Béton, la formation Elkov casper fidèle également à l'Alpe. Either tour, un gros coup d'œil sur la Groupama FDJ l'équipe continentale avec Romain Grégoire l'homme en forme du moment euh, au niveau continental qui a déjà brillé à quatre reprises cette saison la Tudor Pro Cycling Team déjà représentée à l'avant la Yombo Visma Development Team la Trinity Racing également euh, à suivre le Team Vorarlberg on a parlé de la montagne on a parlé des Autrichiens c'est une équipe autrichienne avec un français avec des Suisses avec des Autrichiens prêts à en découdre dans la montagne et nos Petit poussé, les équipes euh, amateurs, mais de National 1, prenait donc le plus haut niveau amateur, la dernière étape avant les, les professionnels, avec Charvieux-Chavennuser Cyclisme, le vélo-club de Vendvelin, le C saint étienne Noirbourg cambrai saint cyclisme euh, qui font partie de ces équipes invitées. Par l'organisateur sur, sur l'Alpes-Isère Tour. On y ajoutera également une sélection pour euh, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui rassemble quelques coureurs euh, d'équipes de National 2, notamment du Vélo Club de Corba et du Grenoble Métropole Cyclisme 38 euh, qui ont euh, profité de cette opportunité d'aller courir avec le maillot euh, du comité Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme et de participer effectivement à cette épreuve. Voilà, alors que les coureurs sont dans l'ascension de la côte de Chapeau-Cornu, dernière euh, difficulté du jour, classée en troisième euh, catégorie. Au sommet euh, de cette euh, dernière difficulté, il ne restera plus que 51 km 200, donc il nous reste encore un euh, kilomètre d'ascension et les très très beaux paysages du Nord-Isère euh, avec ses... Oui, effectivement, c'est ces images du, du département et c'est tout l'enjeu également de cette euh, diffusion sur les différentes plateformes de l'organisation, de Black Hole, notre producteur, et de Télé Grenoble pour retrouver l'ensemble de, de ces euh, images. Euh, voilà donc le, le peloton qui évolue euh, tranquillement. On va retrouver euh, quelques, euh, quelques images notamment pour mettre un petit peu en, en lumière et, et mieux retrouver les différentes équipes de l'Alpizer Tour, faire plus ample connaissance avec les 21 équipes de cette épreuve. Voilà donc le, le peloton qui va passer... Devant le, le panneau indiquant le dernier kilomètre de l'ascension. de retrouver une équipe BNB Hotel qui non seulement est présente sur l'Alpizère Tour, mais en plus avec et eh bien effectivement avec euh, des, des coureurs de renom comme Cyril Gauthier, comme Pierre Roland également. Quentin Jaurégui est allé faire les points déjà sur le, le début d'étape. Et on va les retrouver à n'en pas douter ces jours prochains. On va tourner une rapide page de pub avant de retrouver nos coureurs à l'écran et en direct sur Télé Grenoble. qu'est-ce qui se passe à l'avant On tourne une page de pub et voilà, c'est la bouge <laughs> du côté des, des différents euh, coureurs ici. Avec euh, un corps que l'on retrouve sur nos images, c'est Aloïs Charin qui est sorti peut-être faire euh, quelques points, ou tout simplement fausser compagnie à ses anciens camarades d'échappée. Ils doivent sentir le souffle du peloton avec un écart qui dépassait à peine la minute. Et effectivement, eh bien, Aloïs Charin qui vient mettre le feu aux poudres déjà à 50 km euh, de l'arrivée et que l'on retrouve avec. Sommel, la formation Tudor l'explication elle est peut-être là c'est que derrière à l'avant du peloton et eh bien on bouge beaucoup avec les couleurs de Chambéry Cyclisme l'équipe AG2R Citroën des moins de 23 ans l'équipe Jumbo Visma Development côté charvier chavagnon on essaie de contrôler les différentes offensives pour laisser une petite chance à l'échappée dans laquelle on retrouve Quentin Mezza et donc Effectivement, avec la, la présence d'Alois Charin, c'était pas c'était pas à bête ce que l'on retrouvait aux, aux avant-postes, c'est bien le coureur français de cette équipe suisse. Alors que c'en est peut-être déjà terminé pour Anthony Chamra Dumont pour lever le club Villefranche Beaujolais. Oui, tout à fait, effectivement. Le peloton revient euh, sur les hommes de tête. C'est vrai que cette côte de chapeau cornu a effectivement désorganisé le, le, le peloton. Il y a dû y avoir effectivement des, des, des attaques euh, dans cette euh, difficile ascension, somme toute. Et c'est vrai qu'on en voit les, les conséquences. En tout cas, euh, Aloïs Charin, euh, qui porte le maillot de Tudor, hein, c'est paradoxal, parce qu'il dort pas du tout. Là, au contraire, il a dynamité cette euh, première étape comme lui seul sait le faire. D'ailleurs, Aloïs, c'est vraiment euh, l'odinamitero Et c'est sûr qu'aujourd'hui, il, il a compris. Il est peut-être en, en grande condition physique. Certainement, il sent peut-être plus les, les pédales. C'est vrai qu'il donne tout là actuellement. Aloïs, il sait que derrière, euh, il y a le, le peloton qui lui reste euh, quand même une grosseur de course, c'est-à-dire un peu plus de 48 km quand même à, à parcourir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, il tente, euh, il tente son va-tout, il tente le tout pour le tout. Et je pense que euh, il nous le disait tout à l'heure, il a reconnu cette, euh, cette première étape, il en connaît toutes les difficultés, il connaît euh, le moindre euh, virage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent particulièrement, euh, particulièrement à l'aise, le coureur de cette euh, formation euh, suisse qui porte euh, le Dossard numéro 123, Loïs Charin. Donc, euh, à formation dirigée par Sylvain Blanquefort. Oui, du côté de Tudor Pro Cycling Team, eh c'est vrai qu'on s'étonnait tout à l'heure de voir Alois déjà aux avant-postes dans cette première étape. Mais il faut dire qu'on aura de nombreuses cartes à jouer dans cette équipe dans la montagne, avec là, notamment un, un coureur qui avait fait ses classes dans la formation de Chambéry Cyclisme. Compétition dans les catégories jeunes, c'était Alex Baudin qui avait rejoint ensuite mmh. cette euh, formation de la Swiss Racing Academy. Aujourd'hui, Tudor Pro Cycling Team, deuxième du classement général sur le Tour de Bretagne il y a une, une quinzaine de jours. Lui qui avait remporté une étape sur ce Tour de Bretagne, quatrième d'un championnat de France Espoir et qui sera à n'en pas douter au rendez-vous dans la montagne. Également hein, Yanis Voisard, sixième euh, d'une étape du Tour de Savoie-Mont-Blanc la, la saison dernière. Donc, du côté de, de cette formation suisse, et eh bien peut-être qu'Eloïs Charin s'est dit allez, on va faire le spectacle d'entrée de jeu. C'est pas grave si je grille quelques cartouches, on aura d'autres opportunités les jours prochains avec euh, d'autres coureurs. Et effectivement, et eh bien, on le voit, euh, en tout cas, ne pas compter les, les coups de pédale dans cette euh, portion d'épreuve. Alors que du côté du peloton, eh bien, on a repris quelques coureurs. Anthony Chamra dumont on l'a vu pour le le club Villefranche Beaujolais, notamment, a été repris. Je ne suis pas certain qu'on ait encore. Des coureurs intercalés, mais lui, il insiste. Loïs Charin pour euh, voir, eh bien, jusqu'où euh, cette aventure peut le mener. Oui, dans cette formation Tudor, il y a aussi un... Troisième coureur français, c'est Loris Trastour, qui lui aussi a fait ses armes au Chambéry Cyclisme Formation, et le, dont le père a été coureur professionnel d'ailleurs entre parenthèses. Je crois même que son, son père, bien entendu, a, a participé à ce qui s'appelait donc le Tour Norisère jadis. Et son père, donc chez les amateurs, portait les, les couleurs du, du Vélo Club de Vaux-en-Volin, et euh, Loris, effectivement donc suit les traces du papa dans cette équipe, donc euh, Suisse, cette équipe Tudor. Une équipe Tudor qui compte notamment pour parrain un certain Fabien Cancelor, mmh. le coureur qui a été multiple champion du monde du contre-la-montre, vainqueur du, du Tour des Flandres de Paris-Roubaix, de milan Remo, et qui euh, effectivement parraine ce projet d'équipe, euh, équipe continentale d'abord, équipe continentale pro très certainement, l'année prochaine. Voilà donc pour, euh, pour l'historique en tout cas et, et l'anecdote autour de cette formation euh, Tudor alors que c'est vrai qu'on parlait... Doloris Trastour, eh bien, il y a eu des, des Trastour au palmarès, Jean-Claude Tout à fait, oui, puisque son père, Olivier Trastour, a terminé deuxième de l'édition 1996 de cette euh, épreuve remportée par euh, Stéphane Houillon, qui portait les couleurs du Bataillon de Joinville à l'époque, alors qu'Olivier Trastour, lui, portait les couleurs du Vélo Club de Lyon, euh, vous en volin Nous n'avions que des coureurs euh, amateurs euh, en cette année 1996, mais que euh, l'épreuve a bien grandi depuis, comme. Euh, euh, on vous le disait tout à l'heure, elle est en deux, classe 2, deux, donc au niveau de l'Union cycliste internationale, qui prouve qu'effectivement, euh, aujourd'hui, des équipes et des structures professionnelles peuvent courir euh, avec des, des formations amateurs. Et c'est tout à, à l'honneur de, de Michel Boupe et, et de son équipe de pouvoir organiser de telles courses. Oui. Et effectivement, qui continue de grandir, puisque cette euh, cinquième journée est assez récente dans l'historique de, de l'Alpizer Tour. Ça doit être que la, la deuxième ou troisième édition hein, qu'on a cinq jours euh, d'épreuve grand maximum, puisque effectivement il y a eu pendant de nombreuses années ces quatre journées de compétition, et avec euh, l'arrivée notamment de, du massif de la Chartreuse au programme, du massif de Belledonne également dans la continuité. Eh bien, euh, ces communautés de communes, ces agglomérations qui sont venues prêter main forte à l'organisation de l'Alpizer Tour eh ont permis de créer cette cinquième journée, ce qui n'est pas pour déplaire aux, aux équipes qui viennent notamment d'assez loin. On a vu une équipe israélienne, une équipe britannique également, et eh bien, qui peuvent venir courir sur cinq jours de course. Voilà, alors qu'effectivement, il faut rappeler qu'en 2020, euh, l'édition n'a pas été euh, organisée à cause de la Covid. D'accord. Donc en 2021, effectivement, on a bien eu euh, cinq étapes. Euh, cinq étapes. Donc c'était la première fois effectivement que euh, les organisateurs proposaient donc euh, cinq étapes pour euh, cette course qui euh, n'en finit pas de, de grandir. On aimerait bien avoir un petit écart entre Aloïs Charin et le peloton. Alors que nous sommes maintenant à... 45 km de l'arrivée ici à charvieux chavagneux Nous sommes entrés, bien entendu, dans la dernière heure de, de course. Ça va très très vite hein, à l'avant. Euh, une moyenne, donc, qui doit se situer, je pense, autour de 44 km heure. Et euh, c'est vrai que le final, euh, là aussi, sera rapide parce que le final est plat, comme on le dit dans le jargon cycliste, comme une savonnette. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de, il aura pas de, de difficultés euh, majeures dans les 40 derniers kilomètres. Alors que nous approchons maintenant du dernier sprint bonification, celui de Vénérieux. Et c'est peut-être ce que vise d'ailleurs Aloïs Charin, pourquoi pas de remporter un maillot euh, distinctif à l'issue de cette première étape. Même s'il est repris, il peut peut-être euh, espérer euh, euh, rafler les points de ce dernier euh, sprint bonification, je le rappelle, tracé tout près du lac de, de Vénérieux. C'est euh, au kilomètre 81.3. Euh, il restera à ce moment-là 37 km. Nous sommes donc à 6. Kilomètre, 6 km 900 de ce dernier sprint bonification de, de Vénérieux. Mais derrière, c'est vrai que la contre-attaque, effectivement, semble s'organiser. Ça va très très vite. Là, il y a des motos qui semblent un petit peu gêner d'ailleurs l'avant-garde du, du peloton actuellement. Et euh, c'est vrai qu'Aloïs euh, aura beaucoup beaucoup de, de difficultés à, à rejoindre. Déjà, je pense, le dernier sprint bonification de Vénérieux, malgré des routes, euh, des routes plates. Et euh, un vent qui est peut-être positif pour lui. Hein. Je pense que le vent doit souffler euh, trois quarts d'eau là actuellement. Euh, donc c'est tout à son avantage. Euh, à son avantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez que les voitures sont en train de remonter, c'est-à-dire que l'écart entre l'homme de tête et ses poursuivants immédiats est certainement inférieur à la minute actuellement, alors que nous sommes à 43 km de l'arrivée. Oui, et que les derniers écarts connus étaient de 40 secondes donc diffusé sur les, les ondes de Radio Tour 40 secondes en la faveur d'Aloïs Charin avec un, un peloton qui effectivement fait un petit peu l'élastique tout seul puisqu'on a tantôt des, des grosses offensives des grosses accélérations et puis maintenant on occupe toute la largeur de la route et cela avait même cassé regardez derrière avec euh, bien voilà on se posait la question de savoir s'il y aurait des coups de bordure dans cette étape et bien c'est un petit peu sauf qui peut là à l'arrière après les, les différentes offensives on a une petite quarantaine de coureurs aux avant-postes et sur cette vue en ligne droite et eh bien on voit très bien que derrière cela avait complètement explosé qu'on a donc laissé filer une, une partie tout devrait rentrer dans l'ordre effectivement on a vu que le peloton ne souhaitait pas forcément insister et euh, tout de suite mettre en difficulté bien euh, de nombreux équipiers qui pourraient être là aussi précieux dans le final n'empêche que cela nous montre l'intensité déjà dans cette première étape le vent également qui peut jouer sur ses, ses bordures et un homme seul en tout cas qui va avoir bien du mal à rallier l'arrivée on parlait des bonifications. Aloïs Charin est allé chercher déjà 3 secondes sur le sprint en or dans la traversée de Morestel. S'il vient chercher 3 secondes supplémentaires au prochain sprint intermédiaire, ça eh la fera 6. Peut-être pas suffisant pour aller détrôner le vainqueur d'étape qui marquera 10 secondes d'un coup, mmh. mais en tout cas pour se positionner dans le, le classement général, au moins dans le, dans le top 5, voire le top 10, et aborder eh bien, un petit peu plus sereinement les prochaines journées. On sait qu'aujourd'hui, le niveau est extrêmement homogène et qu'effectivement, même une étape, une épreuve de, de 5 jours, de 5 étapes, peut se jouer à la moindre seconde. Oui, tout à fait. En tout cas, dans le peloton, on semble se relever. Le peloton qui tient toute la largeur de la route, comme vous le voyez actuellement, et qui effectivement semble se relever. C'est-à-dire que derrière, ça va rentrer et que les cassures auxquelles on avait assisté eh bien, vont euh, effectivement disparaître. Ça va rentrer dans le peloton. Et euh, Aloïs Charin, qui ne compte maintenant plus que 30 secondes, va peut-être pouvoir bénéficier, euh, je dirais, de cette euh, apathie momentanée du peloton. Alors que nous venons de traverser la localité de Saint-Chef en Dauphiné, Saint-Chef c'est la patrie de Frédéric Dard et euh, monsieur Santantonio donc euh, a résidé dans cette très belle cité médiévale de Saint-Chef en Dauphiné. Les coureurs donc maintenant sont en direction du lac, très beau lac d'ailleurs de Vénérieux. Toujours dans le nord du département de l'Isère. Regardez l'attitude des coureurs de, de Groupama qui se relèvent carrément. C'est dire que Aloïs Charin va pouvoir <laughs> reprendre du, du temps et peut-être effectivement disputer tout seul le sprint euh, intermédiaire de Vernierio, le dernier sprint d'ailleurs de, de la journée. C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, il peut encore empocher ce sprint et les trois secondes qui lui seront proposées. Allez, cela se relève tellement dans le peloton qu'on a vu des mains se lever pour appeler au ravitaillement. Il fait chaud sur les routes de l'Isère aujourd'hui. Il faut penser à, à s'hydrater du côté de, de tous ces coureurs, même si l'étape est courte effectivement. Et euh, on retrouve Aloïs Charin, effectivement, qui dandine un petit peu de la tête et des épaules, qui emmène un gros braquet en tout cas. Et derrière, un coup pour rien, on se remet à rouler tranquillement tranquillement, bon quand on n'est pas sur le vélo, on est bien d'accord. Mais ouais. c'est l'équipe Vorarlberg qui, qui emmène l'équipe autrichienne qui n'a pas grand chose à jouer aujourd'hui, mais qui va peut-être jouer à la sécurité dans le film. Oui, moi je pense qu'effectivement le team Vorarlberg, donc euh, l'équipe autrichienne qui comporte beaucoup d'excellents de, de, grimpeurs en son sein, euh, effectivement ne veut, ne veut pas perdre sur une étape comme celle-là, donc euh, l'Alpizer Tour, tout simplement. Hein, c'est la raison pour laquelle ils ont mis effectivement en tête quatre ou cinq coureurs pour euh, qu'il euh, puisse peut-être essayer de, de, de revenir. Il faut savoir que dans ce type d'Albergue, il y a des garçons comme Alexis Guérin, comme Roland Talman le Suisse, euh, comme Ricardo Zoidl, comme rutiman Mann ou Yanal, qui peuvent viser la victoire finale hein, dans cette euh, Alpizer Tour. et c'est la raison pour laquelle on les retrouve derrière donc euh, l'équipe autrichienne. Eh bien, c'est la formation Groupama-FDJ, la Groupama-FDJ donc euh, qui euh, elle aussi donc peut jouer la, la, la victoire finale et c'est la raison pour laquelle on la trouve en en deuxième position la groupe AmafDJ emmené par le talentueux Romain Grégoire, un jeune garçon particulièrement brillant, notamment sur les épreuves de ce, de ce début de saison. En tout cas, toujours Aloïs Charin en tête. Vous voyez que nous sommes à 39 500 km 500 de la ligne d'arrivée ici à Charvieux-Chavagneux d'un peu plus de 2 500 km 500, il sera à Vénérieux pour le sprint intermédiaire, le troisième et dernier sprint de la journée. En tout cas, vous voyez que toute l'équipe, toute la formation autrichienne Voralberg est en tête et ça roule maintenant. Et ça roule pour revenir sur le coureur français de la formation Tudor Pro Cycling Team, avec notamment l'aide maintenant de formations comme Groupama, comme Kern Pharma aussi qu'on voit aux avant-postes. BNB aussi est là, présente. C'est certainement la, la formation BNB qui est, je dirais, euh, aujourd'hui la plus forte, en tout cas sur le papier, hein, bien entendu, avec euh, des garçons euh, comme euh, Cyril Gauthier, notamment, hein, qui est un garçon particulièrement euh, aguerri, qui est le leader et le, le chef d'équipe de cette formation. Donc, euh, euh, aujourd'hui sur les routes de l'Alpe euh, Isère-Tour, avec euh, des garçons, bien entendu, comme Pierre Roland, comme Quentin Jorégui, Jonathan Hiver, Victor Koretsky, une très très belle formation, BnB Hotel, KTM. Qui euh, est là pour euh, bien entendu parfaire euh, la forme de ses leaders, mais aussi pour euh, espérer bien sûr l'emporter. Voilà, toujours donc, on n'a pas d'écart. Est-ce qu'on a l'écart maintenant entre Aloïs Charin et euh, Lilian Alors, l'écart était descendu à, à 25 secondes, mais euh, derrière, avec le peloton qui avait temporisé, on peut imaginer qu'on est allé euh, tutoyer à nouveau les 40-45 secondes. Le peloton qui s'est remis à rouler avec des, des formations, comme vous le disiez, Jean-Claude, très bien positionnées avec l'équipe Vorarlberg, avec derrière la BNB Hotel qui est venu se repositionner. On a aperçu une équipe Alpecin Phoenix bien dense et bien groupée également en troisième rideau pour aborder euh, peut-être le, le sprint final c'est vrai que cette équipe euh, Alpecin qui a peut-être des, des cartes à jouer beaucoup de, de cyclocrossman c'est euh, une équipe belge on ne euh, s'invente pas euh, dans la discipline du cyclocross avec cette équipe euh, Alpecin Phoenix Development là aussi une équipe euh, qui est amenée à fournir les rangs d'équipe l'équipe Alpecin que vous avez l'habitude de voir sur vos écrans de télévision ici on est avec euh, l'équipe 2 on va le dire comme cela mais avec euh, des coureurs qui ont brillé en cours du monde de cyclo que ce soit chez les espoirs que ce soit au niveau élite également en signant plusieurs euh, top 10 et euh, qui pourraient bien tirer leur épingle du jeu sur le plat aujourd'hui dans les bordures éventuelles du final et pour un sprint massif si sprints il doit y avoir en tout cas on ne se laisse pas impressionner à l'avant du peloton puisque derrière l'équipe Forhaldberg et eh bien on retrouve à nouveau euh, des coureurs Barbier Chavanut Isère Cyclisme qui euh, ne veulent pas se faire bousculer aujourd'hui à domicile dans le final à noter qu'on est à 37 km de l'arrivée, et cela veut dire que dans 23 km, les coureurs passeront une première fois sur la ligne. Il leur restera alors euh, 3 tours hein, à couvrir, 3 tours de 4 euh, km, un petit peu plus, 4,5. Voilà, et on passera à 14 km de l'arrivée, une première fois sur la ligne, et on ne manquera rien bien sûr de ce final. Voilà, dans quelques hectomètres maintenant, euh, nous serons au dernier sprint bonification donc, euh, à Vénérieux, je le rappelle, à côté du lac de, de, de Vénérieux, bien entendu. C'est-à-dire que Aloris Charin a toute chance de pouvoir euh, remporter ce dernier sprint de la, de la journée, tracé euh, au kilomètre 36.8. Il reste au, au kilomètre 81, il restera 36,8 km et donc dans, dans quelques centaines de mètres maintenant, nous aurons effectivement le passage euh, des coureurs sur ce, sur ce dernier euh, sprint. Voilà, on, on s'active maintenant en tête de course. Voilà, on a eu l'information, on a eu l'information euh, c'est vrai que les coureurs se, se, vont se disputer la, la deuxième place de ce sprint bonification. Beaucoup de monde hein, sur le, les bords de, de, la, de la route euh, au terme de cette euh, de cette première étape, en tout cas, on peut dire Lilian que Aloïs Charin aura réalisé un truc. Oui, et j'ai même l'impression que c'était l'unique objectif puisque l'allure est beaucoup moins soutenue. Maintenant qu'il est allé chercher les points et les bonifications, je crois qu'il a compris que ça n'irait pas plus loin et il va voir revenir dans son sillage dans quelques instants le peloton. C'est quelque peu relevé du côté de l'homme de tête, les différents véhicules qui repassent à l'avant pour permettre eh bien, ce regroupement. Une échappée qui devrait se terminer dans quelques instants, puisqu'effectivement Aloïs Charin n'insiste plus et que derrière, du côté du peloton, on a vu euh, les coureurs de la BNB Hotel venir faire les points. Quentin Jorégui avait déjà marqué euh, les points sur le premier sprint. Je crois bien que c'est lui qui est allé chercher la, la deuxième. Point euh, marqué sur la ligne d'arrivée, mmh. puisqu'effectivement le classement par points tient compte également des points marqués à L'arrivée en tout cas, une bonne première journée pour euh, Alois Charin. On verra si c'en est une bonne pour l'ensemble de son équipe Tudor Pro Cycling. Mais euh, pour l'instant, et eh bien, belle opération en tout cas. C'était euh, osé de prendre cette euh, première échappée. On rappelle euh, que figurait avec lui euh, Jordan Habetz, le néerlandais de la formation Solar SolarWatt, avec également la présence de Quentin Bezza pour euh, Charvieux Chavagneux et euh, d'Anthony Chamradumont pour le vélo club villefranche beaujolais C'était les quatre coureurs que l'on retrouvait et. Euh, euh, maintenant, effectivement, et eh bien tout reste à, à refaire dans les 35 derniers kilomètres. Voilà une, une question, euh, effectivement, qu'on pourrait euh, se, se poser puisque nous sommes dans la, dans la première étape. Alors qu'Aloïse, voilà, se, se relève, est-ce que euh, on, on laisse pas trop d'énergie Alors, je alors, pour la course, on va essayer d'avoir les. Les quelques informations. Alors, les quelques infos qui nous reviennent pour l'instant, c'est que euh, le, les secours et hein, le, le médecin étaient euh, mobilisés, donc pour une, une raison que l'on aura certainement dans, dans quelques instants. Et que, euh, eh bien, tant que les secours sont en train d'intervenir, on est obligé euh, d'arrêter la, la course. Alors, je parle sous réserve, bien évidemment. On va essayer d'avoir un, un maximum d'informations. Mais euh, pour l'instant, en tout cas, on a dû euh, stopper cette euh, épreuve à 35 km de l'arrivée. On n'a pas l'air de s'inquiéter plus que ça du côté des, des coureurs. Et, euh, et effectivement, donc un, un nouveau départ devrait être donné euh, bientôt. On aura euh, quelques informations supplémentaires. Dans, dans un instant, on va retrouver en tout cas quelques euh, la, la vidéo pardon, des différentes équipes présentes sur cette édition de l'Epizer Tour. Ah d'abord le, le parcours, euh, pardon, donc le, le parcours du jour et notamment ces, ces derniers kilomètres que nous allons euh, revoir, un parcours qui est développé aujourd'hui sans première étape Tour. Au départ donc de, de Charvieux-Chavagneux, départ donné tout à l'heure à, à 14h pour un départ fictif sur les 5 premiers kilomètres. On s'est ensuite aventuré vers les euh, premières difficultés, les premiers sprints, le sprint de hier-sur-Ambi, les deux Grands Prix de la Montagne successives, la côte de Châtelan et la côte de l'étenderie. Avec euh, le sprint en or disputé au kilomètre euh, euh, 56. C'était dans la traversée de Morestel. Euh, sprint en or euh, qui veut dire bon qui veut dire euh, point marqué et qui veut dire également un petit prix sur le podium. Euh, tout à l'heure avec... Ascension répertoriée d'ailleurs du jour, dernière ascension répertoriée du jour, ce qui nous permet du côté du classement de la montagne d'avoir pour l'instant Anthony Chamra-Dumont en première position avec 14 points dans ce classement. Et on va s'aventurer maintenant sur ces derniers kilomètres vers Charvieux-Chavagneux pour ce circuit final. Un circuit donc de 4 km qu'il faudra couvrir à plusieurs reprises. On aura donc 3 tours à couvrir. On verra revenir les coureurs dans la traversée de Charvieux à 15 km de l'arrivée. Premier passage sur la ligne à 12 km. Réalisation à couvrir de ce parcours de 4... Kilomètre, euh, événement un petit peu inattendu sur les routes de l'Alpizar Tour, le peloton est arrêté dans une phase de course qui semblait relativement calme, mais le calme avant la tempête, et on peut imaginer que lorsqu'un nouveau départ sera donné à nouveau, eh bien cela va être euh, sur les chapeaux de roue en tout cas. On retrouve en tout cas les directeurs sportifs hein, au milieu du, du peloton qui prennent le temps d'aller euh, ravitailler les coureurs. On aperçoit le directeur sportif euh, de la formation Fort euh, Samuel Dumoulin, également euh, vainqueur d'étape sur le Tour de France. Qui est, euh, est aujourd'hui directeur sportif dans les rangs de cette équipe BNB Hôtel et euh, qui vient donner quelques informations et surtout euh, quelques <laughs> ravitaillements à ses coureurs et notamment à Pierre Roland avec son Dossard 35 que l'on voit. L'image Pierre Roland, vainqueur d'étape sur le, le Tour de France, c'était à l'Alpe d'Huez en 2011, à la Toussuire en 2012, lui qui avait brillé sur le Tour d'Italie en 2017, quatrième du classement général du Giro en 2014 et euh, qui fait partie des grandes têtes d'affiche, bien sûr, de l'Alpiser Tour à cette année, lui qui avait brillé également sur le Tour de Savoie-Mont-Blanc euh, ces dernières années et euh, que l'on retrouve ici dans les, les premières positions d'un peloton arrêter effectivement pendant quelques instants le temps de, de s'assurer de la sécurité des coureurs c'est encore le, le plus important puisque euh, effectivement il y a encore euh, donc des, des événements malheureux en, en cyclisme et donc on va essayer de prendre un maximum de, de précautions et si les secours ont été retenus et eh bien c'était une bonne décision du, du jury il faut arrêter l'épreuve pour permettre de repartir dans des conditions de sécurité optimales tout à l'heure oui, il faut rappeler que euh, nous sommes dans une course euh, internationale gérée donc, par l'Union cycliste internationale. Donc nous sommes euh, avec un, un, jury, euh, un jury de, de commissaires et d'arbitres de, de, de grande qualité, euh, toujours donc euh, dans des courses de, de haut niveau. Et euh, effectivement, donc euh, ceci explique aussi peut-être cela. C'est vrai qu'on ne prend pas de risques avec... Euh, la sécurité des, des coureurs. Et une information, hein, c'est que effectivement les temps avaient été enregistrés. Donc, euh, Louis Charan ne s'était pas relevé, mais il avait 40 secondes d'avance. Au moment où on lui a annoncé qu'on allait arrêter l'épreuve, ça veut dire qu'Alouis repartira tout à l'heure avec 40 secondes d'avance également. Voilà l'information qu'on n'avait pas, c'est qu'effectivement une chute a eu lieu, entraînant une petite dizaine de, de coureurs. On espère avoir des nouvelles rassurante assez rapidement néanmoins et eh bien une chute ça veut dire que le service médical a été mobilisé qu'il a fallu intervenir et que comme on le disait par mesure de, de prévention de précaution par mesure de sécurité eh bien, le jury des arbitres a préféré arrêter l'épreuve le temps que le service médical euh, revienne au niveau de la course. Euh, parce qu'effectivement, on a déjà vu ça, hein, notamment sur les routes du Tour de France. On se souvient de la terrible chute de, de William Bonnet, notamment, entraînant avec lui euh, plusieurs coureurs sur l'édition du Tour en, en 2015, euh, de, de mémoire. Et où, euh, même sur le Tour de France, eh bien voyez-vous l'ensemble du service médical avait été euh, occupé, ce qui avait conduit la direction de course euh, à stopper l'épreuve. Ce qui n'avait pas empêché de repartir de, de plus belle derrière pour une arrivée qui avait été jugée sur les hauteurs du mur de Huit. C'était une étape. Euh, Belge, et bien aujourd'hui on se souviendra dans l'histoire de l'Alpizer Tour que, et bien là aussi, malheureusement, cela fait partie du vélo. Mais la course a dû être arrêtée pour permettre au service médical de, de s'assurer que tous les coureurs qui avaient chuté et eh bien puissent, puissent conserver leur intégrité physique et donc être secourus avant de, de redonner un départ avec Alois Charin qui repartira donc avec 40 secondes. D'avance, 40 secondes qu'il aura du mal à conserver. Alors on le disait tout à l'heure, je pense même que l'objectif qui était le sien d'aller chercher les différents points dans les sprints a été atteint. Mais on va profiter quand même de ces quelques secondes d'avance qui lui seront laissées au moment de repartir pour ce jeune coureur de 21 ans qu'on a vu terminer quatrième de Liège liège espoir il avait brillé sur le tour d'Italie espoir la saison dernière, septième d'étape sur le tour de Savoie-Mont-Blanc, septième d'étape sur la ronde de l'Isard, magnifique épreuve euh, espoir, moins de 23 ans, disputée dans le département de l'Ariège, et où effectivement Aloïs Charin était allé chercher un bel accessit sur, sur l'une des étapes. Euh, voilà donc, euh, en tout cas, pour l'instant, on attend le, le feu vert. Côté sécurité, côté direction de course pour pouvoir repartir en euh, toute sécurité et accueillir les coureurs ensuite pour l'arrivée à Charlie chavagneux Voilà, ce qui est important aussi de préciser, c'est que nous sommes très précisément à la sortie de Vénérieux, hein, là où avait lieu effectivement ce dernier classement euh, des sprints de bonification. Oui, mais simplement pour dire aussi que lorsqu'il y a une chute, et que c'était le cas dans cette première étape, il y a un échappé, les temps sont pris. Donc lorsque le jury des commissaires prend la décision d'arrêter la course, ils ont donc constaté qu'Alois Charin, le leader, avait, le leader de l'étape hein, au moment de cette chute, avait 45 secondes d'avance sur les poursuivants immédiats. Et effectivement, ce, ce bonus-temps va lui être réétabli réattribué euh, lorsque l'épreuve va, va reprendre. Et nous souhaitons bien sûr qu'elle reprenne le plus rapidement possible. En vous rappelant que dans ce genre d'épreuve, il y a une direction de la, de la sécurité bien sûr, et euh, qu'il y a un référent sécurité Union Cycliste Internationale, en l'occurrence ici euh, sur les routes de l'Alpizer Tour, Jean-Yves Moiret, et que le président du jury, donc euh, effectivement Valeria Laguzzi, l'arbitre la, 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 italienne, euh, effectivement, gère cette, euh, ce fait de course, puisque c'est ce qu'on appelle, il y en a un fait de course. Et oui, un fait de course, c'est ce qui fait partie du vélo. Il y a les, les bons et les euh, mauvaises nouvelles, les, les mauvais côtés du, du cyclisme, effectivement, avec cette chute qui a entraîné au sol une petite dizaine de coureurs qui sont pris en charge par les secours. Et dès que, effectivement, les, les secours seront à nouveau disponibles pour couvrir cette épreuve, on pourra repartir. On va tourner en attendant une petite page de publicité avant de retrouver notre peloton à 35 km de l'arrivée. Plus belles histoires s'écrivent dans la durée. Groupama accompagne vos projets et vos passions partout en France. l'Alpizer Tour, 31e du nom qui redémarre pour ceux qui nous rejoignent effectivement la course a dû être euh, arrêtée, neutralisée quelques instants euh, pour euh, eh bien, permettre aux secours d'intervenir sur une chute, c'est un fait de course cela fait partie du vélo et effectivement par mesure de sécurité et de prévention les euh, organisateurs et le jury euh, des arbitres eh bien, a préféré stopper l'épreuve euh, pour permettre l'intervention des, des secours et pour euh, leur laisser le temps de revenir à niveau de la course ça s'est fait à la sortie de Vénérieux où euh, effectivement on a indiqué qui Aloïs Charin, qui avait alors 45 secondes d'avance, et eh bien que la course allait être arrêtée, il s'est arrêté, le peloton derrière lui, et on est en train de repartir dans la même situation, c'est-à-dire qu'Aloïs Charin, le coureur français, originaire de Romans-sur-Isère, dans le département voisin de, de la Drôme, et eh bien est reparti avec 45 secondes d'avance, le peloton vient de prendre lui aussi le nouveau départ, 45 secondes euh, plus loin. On se posait la question de savoir si Aloïs Charin allait encore accentuer son, son effort. On imagine que cela doit perturber un petit peu également hein, ça, cette, cette phase de course, Jean-Claude, où finalement on se dit voilà, il faut s'arrêter, il faudra repartir. C'est un, un moment qui doit être assez difficile à gérer également. Ah oui, ça tout à fait. Hein. C'est vrai que repartir dans de telles conditions de, de course, c'est effectivement. Les coureurs donc, ont fait des efforts particulièrement violents. Ça roule à 44 km/h de, de moyenne depuis le, le départ de cette première étape. C'est vrai que c'est... Euh une, un fait de course qui, qui marquera quand même les, les esprits parce que euh, redémarrer dans de telles conditions, euh, même avec 45 secondes d'avance, ça n'est pas chose facile. Vous le comprendrez euh, aisément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tout le mérite revient effectivement à ses coureurs et notamment à l'homme de tête actuellement, Aloïs Charin, Aloïs qui euh, est, est reparti donc. Euh, pour ces 34 34 derniers kilomètres nous sommes à environ 20 km de l'entrée sur le circuit final tracé ici à Charvieux Chavagneux les coureurs auront donc trois tours de ce circuit là aussi extrêmement plat mais un circuit court de 4 de 4 km seulement et euh, il est clair que Alois Charin aura du mal à, à pouvoir rentrer en tête sur ce, sur ce circuit parce que derrière on s'organise et la chasse est ouverte. Hein. La chasse est ouverte aux Autrichiens et toujours donc ce team euh, Vorarlberg, donc cette équipe autrichienne qui est une, une fidèle. Alors information importante euh, mon cher Lilian. On vient de nous indiquer qu'effectivement il n'y avait pas de, de blessés graves dans cette, dans cette chute. Et c'est tant mieux hein, pour les coureurs et, et les suiveurs et puis les supporters, les parents, les amis de ces coureurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, malheureusement dans le cyclisme, il y a, il y a beaucoup trop de chutes. Des chutes, et des accidents qui font partie du vélo. Alors est-ce que certains peuvent être évités On ne lancera pas ici de, de longs débats en tout cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh comme, comme cela peut arriver, le cyclisme est, est un sport qui se pratique sur la route. Et quand on tombe, effectivement, ça peut faire mal, ça rappe. Et on peut imaginer que ça va piquer sous la douche ce soir pour certains d'entre eux. Mais sans grosse gravité, heureusement, la décision qui a été prise d'arrêter la course reste... La bonne, je crois qu'il n'y a pas photo. La sécurité des coureurs et la couverture médicale en premier. Et maintenant, on va espérer que tout se passe bien jusqu'au retour à Charvieux-Chavagneux. Un retour dans une vingtaine de kilomètres dans la commune qui a accueilli le départ tout à l'heure et qui va accueillir l'arrivée pour les trois tours de 4 kilomètres. J'ai du mal à voir vraiment l'attitude d'Aloïs Charin. On se posait déjà la question tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on n'est plus forcément dedans, effectivement, dans cette phase de course. Celui qui déjà se savait menacé par le retour du, du peloton, qui ici se, se retourne, on a l'impression que ne se donne pas forcément à fond du côté euh, du coureur Dromois, euh, qui évolue dans cette équipe suisse de Tudor Pro Cycling. On va aborder le, le final peut-être un petit peu plus calmement, un petit peu plus sereinement pour euh, également récupérer après ses efforts et, euh, et espérer encore euh, mieux être à l'avant ces jours prochains. En tout cas... On va pouvoir rappeler également tout ce qui s'est passé depuis le, le début de, de l'épreuve, puisque les premiers sprints intermédiaires ont été disputés assez tôt dans l'étape et que euh, du côté des différents classements, alors on attend euh, quelques informations complémentaires du côté notamment du dernier sprint intermédiaire, mais du côté des classements du meilleur grimpeur, à noter qu'Anthony Chamra-Dumont a pris le maximum de points. Le coureur du vélo-club Villefranche Beaujolais, présent dans l'échappée du jour, qui est allé chercher 14 points dans ce classement, il devrait donc revêtir ce soir le maillot de leader qui récompense effectivement le meilleur grimpeur. C'est le maillot violet qui devrait revenir au coureur du vélo-club Villefranche-Beaujolais. On attendra un petit peu plus longtemps avant d'avoir les résultats et notamment le euh, temps de l'arrivée puisque du côté du classement par points, on ajoutera les points de l'arrivée et euh, une info également de, de règlement c'est qu'on a un classement de la combativité sur l'Alpizer Tour récompensé par le maillot rouge et à l'inverse de Nombreuses épreuves où le plus combatif est élu par un jury en fonction de son attitude dans l'épreuve. Et c'est vrai que cela aurait pu être le cas pour Aloïs Charin. On aurait pu l'élire aujourd'hui plus combatif du jour. Et bien, sur l'Alpizer Tour, c'est plus un classement du combiné, comme on peut le connaître notamment sur les routes du Tour d'Espagne. On va additionner les points marqués sur les sprints, sur les Grands Prix de la montagne et obtenir ce classement de la combativité qui est et bien surtout un classement de la régularité, de la présence dans les différentes échappées tout au long de ces cinq jours. Échappé, terminé, on en parlait. Donc c'est effectif maintenant à moins de 32 km de l'arrivée. Bon bout à l'avant pour Aloïs Charin. C'en est terminé, c'est une autre course qui débute à 31 km de l'arrivée. Voilà, et très précisément à. Euh 20 km de l'entrée sur le circuit final de Charvieux-Chavagneux, donc un circuit de, de 4 km, je le rappelle, à faire 3 fois. Voilà Aloïs Charin donc, qui se fait reprendre par euh, les cours d'abord de, de la formation autrichienne Tim Voralberg. Et euh, c'en est donc effectivement fini pour cet euh, échappé. En tout cas, Aloïs Charin aura vraiment euh, marqué de son empreinte cette, cette première étape. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a... Payé de sa, de sa personne. Il sera récompensé, on n'a point douté, donc, tout à l'heure, sur la ligne euh, d'arrivée ici à, à Charvieux-Chavagneux, notamment euh, parce qu'il a remporté la, la, le sprint en or et d'autres sprints d'ailleurs euh, intermédiaires. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir euh, que la formation autrichienne Vorarlberg prend la course en main. Hein, L'Ilian, je crois que c'est le point de, à, à noter, c'est le fait aussi du, du jour, c'est euh, l'empreinte que veut laisser euh, Voralberg euh, sur les routes de l'Alpiser Tour. Et euh, ne pas se, se laisser donc, euh, dépasser par des, des échappées euh, non contrôlées, on va dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Autrichiens là, sont là pour euh, contrôler. C'est, je pense, aucune équipe qui allait dans l'ongue. Effectivement, et qui ne veut surtout pas perdre de terrain, pas perdre la moindre seconde avant que la route ne commence à s'élever, notamment samedi et encore plus dimanche pour une équipe autrichienne avec un Français, Alexis Guérin, qu'on avait vu briller sur des étapes du Tour de Savoie-Mont-Blanc, qu'on avait vu aller sur les routes du Tour Alsace également, des épreuves montagneuses, vu qui avait brillé en Roumanie sur le Tour de Sibu, et euh, avec des, des coéquipiers également qui sont allés chercher de, de belles positions sur le même genre d'épreuves, sur des épreuves UCI de, de classement et effectivement, a priori, sauf grosse surprise et gros travail cet hiver, on n'a pas de sprinter dans cette équipe, pas d'occasion forcément d'aller rafler la, la victoire aujourd'hui, seulement et bien on l'a vu il y a eu des chutes il y en aura peut-être dans le final si celui-ci est un petit peu nerveux et c'est ce qu'on souhaite éviter dans cette équipe Vorarlberg qui effectivement roule en tête du peloton pour se préserver un petit peu des différents incidents ou tout simplement des cassures on a vu une cassure tout à l'heure il y avait eu un coup de bordure alors sans incidence sur le classement mais peut-être des incidences sur les jambes puisque ce trou il a fallu le boucher il a fallu faire l'effort pour revenir à hauteur du premier peloton donc c'est tout ce que souhaite éviter cette équipe Vorarlberg on pourrait Dire la même chose d'ailleurs de l'équipe BNB Hôtel qui se trouve juste en deuxième rideau et euh, effectivement bien compact également autour d'un leader comme Pierre Roland, très euh, vraisemblablement dans cette euh, édition de l'Alpizer Tour. Voilà, Il faut rappeler donc euh, sur cette euh, 31e édition de l'Alpizer Tour, les, les équipes euh, au nombre de 21 sont composées de 6 coureurs. Hein, et là, actuellement, on voit bien que le team Oralberg, donc a mis 6 hommes en tête, c'est-à-dire toute la formation. Est là, euh, et là, et c'est vrai que c'est une euh, particularité de ces épreuves donc, classées 2.2 UCI c'est d'avoir de, des, des équipes qui sont quand même euh, en nombre relativement euh, limité, avec 6 on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Et en tout cas, c'est la raison pour laquelle, euh, s'ils veulent euh, imprimer donc, euh, leur, euh, leur nom dans cette première, euh, dans cette première étape euh, de l'Alpizer Tour, ben, effectivement, ils ont raison de mettre tous leurs pions en, en, en tête. Ça évite aussi, entre parenthèses, Lilian, euh, le, le phénomène des chutes et les conséquences. Quand on est comme ça, 6 en tête de, de course, on maîtrise mieux la situation et euh, on évite un certain nombre de, de dangers que proposent hélas les courses cyclistes, c'est-à-dire le phénomène des chutes. Effectivement et... Euh la confirmation par l'image avec ces différentes équipes qui roulent en tête, qui vont hausser le ton. On est ici sur une partie légèrement descendante. Alors qu'on a retrouvé entre-temps quelques images également de la ligne d'arrivée avec le public qui commence à nous rejoindre à mesure que l'on sent les, les coureurs qui se rapprochent du circuit final et le public de des retours prêt. À les accueillir sur ce long week-end de l'ascension. C'est vrai que l'Alpizartour la retrouve ce, ce week-end. On imagine qu'on aura beaucoup de monde demain pour le départ et la, la présentation des équipes dans la commune des Abrés. On espère tout au monde de monde sur les différentes arrivées proposées tout au long de ces 5 jours. 29 km de l'arrivée. On doit donc être bientôt dans la traversée de Panossas pour la. Dernière commune traversée avant de revenir à Charvieux-Chavagneux. En tout cas, une belle route hein, est proposée aux coureurs. Là, euh, On a du mal à croire d'ailleurs qu'il y ait des, des chutes sur de telles telle routes. Une route euh, sinueuse certainement, mais une route qui est large, avec un, un beau et bon revêtement. Euh, donc c'est vrai que des courses et des routes idéales pour la, la pratique du sport cycliste. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ces, ces coureurs ont, ont la route à eux. Euh, donc, euh, et c'est tant mieux, donc, euh, les coureurs qui euh, se rapprochent de cette euh, localité de, de, de Panossa avant donc, euh, de rejoindre euh, Colombier-Saunieu et Charvieux-Chavagneux pour entrer sur le circuit final euh, d'arrivée. Regardez ces, ces belles images euh, des routes du nord du département de, de l'Isère un département encore très verdoyant, comme vous pouvez le, le voir sur ces, sur ces images, malgré la sécheresse ambiante, on va dire, puisqu'il fait très très chaud sur l'Isère et sur le Nord-Isère en particulier. Voilà, donc, euh, alors que la chaussée est relativement plate et que euh, les coureurs euh, roulent à une allure, on va dire... Euh, qui n'est pas encore très, très, très soutenu. On, entend, on attend, je pense, les abords du circuit final d'arrivée pour, comme on dit dans le jargon cycliste, mettre en route. Mettre en route, ça veut dire effectivement euh, se donner toutes les possibilités de euh, rejoindre la ligne d'arrivée avec les, les meilleures positions possibles. En tout cas, toujours euh, mano à mano entre les coureurs de Voralberg et euh, les coureurs de, de, de B&B au euh, Tel KTM. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui comportait pas de, euh, disons, de grandes grandes difficultés. On attend plutôt euh, les jours qui viennent, notamment donc demain il y aura déjà des, des, des côtes beaucoup plus sévères. Demain, dans cette euh, euh, deuxième étape, une deuxième étape qui sera déjà plus longue que celle-là, puisque il y aura pratiquement une heure de course en plus avec une étape entre les Abrés en Dauphiné et Saint-Quentin-Falavier longue de 161 km. C'est avec plaisir d'ailleurs qu'on retrouvera cette euh, cité des, des Abrés en Dauphiné qui est un fief du vélo et en particulier du cyclo C'est une, une cité qui avait donc vu en son sein la création de, de clubs cyclistes. Et parmi les clubs les plus anciens de la région et du département de, de l'Isère, les premiers clubs cyclistes donc à la fin du 19e siècle ont vu le jour à Grenoble, le Voiron et aux Abrais. Et c'est tout à l'honneur de cette petite ville donc qui nous accueille demain, euh, les abrais. En Dauphiné. Voilà, kilomètres, donc, euh, il nous en reste 26,5. C'est-à-dire que dans 6 kilomètres, mon cher Lilian, on rentrera sur ce circuit final tracé dans la commune qui nous accueille. Aujourd'hui une, une cité donc, euh, qui est très marquée aussi par le, le vélo, c'est la cité de, de la ville de Charvieux-Chavagneux, puisque le club de Charvieux, effectivement, est un, est un club assez ancien et qu'il euh, euh, évolue aujourd'hui en, en division nationale 1, c'est-à-dire le, le, le gratin un peu du sport cycliste amateur français. Et c'est tout un honneur aussi de la municipalité de Charvieux, de ce club de Charvieux, de pouvoir participer à ce genre d'épreuves quand même de haut niveau. Effectivement, il y a un club qui organise beaucoup également plusieurs cyclocross organisés dans l'hiver, plusieurs épreuves sur route également du côté des communes voisines de Chavanoz également qui accueille régulièrement le club de Charvieux-Chavanouise cyclisme pour ses différentes manifestations cyclistes et Effectivement, sur le plan événementiel, et eh bien cette tradition de lancer l'Alpiser Tour autour de Charlieu Chavagneux et on va y revenir dans une euh, dizaine de kilomètres pour l'entrée sur le circuit final, un circuit de 4 km. Il faudra le couvrir exactement 3 fois et demi puisqu'on va entrer sur le circuit à peu près à mi-chemin à, à mi-route mi sur ce circuit et ils viendront passer eh bien les coureurs une première fois sur la ligne à 12 km de l'arrivée à noter et du coup qu'on aura de nombreuses relances sur ce circuit puisque effectivement à 2 km 500 de l'arrivée de la ligne d'arrivée eh bien, virage à gauche, euh, presque, euh, presque demi-tour hein, pour euh, aller chercher les deux derniers kilomètres. On aura un rond-point également dans ces deux derniers kilomètres. Et derrière la flamme rouge, il y aura encore deux belles courbes. À angle droit sur la gauche, à peu près à 500 mètres de la ligne, et la dernière ligne droite qui doit faire à peu près 200 mètres seulement. Un, une courbe un petit peu moins euh, exigeante, mais effectivement, il faudra être placé au moment d'aborder le circuit final. On a déjà parlé du travail de ces différentes équipes, le Team Vorarlberg, la BNB Hotel, pour euh, effectivement se préserver des euh, erreurs de placement, des chutes, des euh, cassures qui pourraient intervenir dans ce final, mais c'est vrai que. Autant on le disait, on est maintenant sur des routes très très larges et des routes qui euh, ne semblent pas vraiment dangereuses. Autant sur le circuit final, non pas qu'il soit dangereux, mais simplement technique, ces cyclistes sont des artistes, mais néanmoins il va y avoir une vraie stratégie pour l'aborder dans les... De remonter avec effectivement la Carn pharma avec la BNB Hotel qui commence à venir titiller un petit peu le team Fort Albert qui assure le tempo depuis tout à l'heure, qui assure la poursuite derrière Aloïs Charin. Et effectivement, on voit de, beaucoup de, de coéquipiers qui cherchent du regard à leurs camarades derrière pour dire allez faut remonter encore d'un cran. On a l'équipe belge d'Alpecin Phoenix sur la gauche de l'écran et la droite de la route qui vient se repositionner également. Donc de quoi aborder un final assez nerveux on le voit là un peloton extrêmement compact qui occupe encore une fois toute la largeur de la route signe également que l'allure n'est pas si soutenue en tout cas on commence à s'observer il y en a un qui a l'air serein c'est Pierre Roland que l'on aperçoit derrière oui. qui a le coup de pédale facile effectivement le double vainqueur d'étape sur les routes du Tour qui euh, effectivement lui aussi bien sûr veut se, se préserver des différents incidents qui pourraient intervenir sur une fin de course un petit peu nerveuse mais qui ne semble pas inquiet plus que ça pour l'instant oui, on aperçoit aussi Cyril Gauthier, hein, toujours très très bien placé pour son, pour son leader qu'il protège. Euh, Cyril Gauthier, c'est le, le capitaine de route hein, de, cette, de cette formation BNB. Et c'est vrai que c'est un garçon particulièrement aguerri. Euh, c'est un, un véritable pilier pour euh, Pierre Roland et euh, tous les autres équipiers. Ce qui est important aussi de, de souligner, c'est que la plupart des, des équipes connaissent les routes de Tour sont déjà venus donc connaissent aussi cette ligne d'arrivée à Charvieux-Chavagneux. Et comme le disait Lilian donc tout à l'heure, et très justement d'ailleurs, c'est une ligne qui n'est pas facile parce qu'il faut être placé avant le dernier virage, qui est un virage à angle droit, donc, et qui laisse à peu près 200-250 mètres de ligne droite. Vous voyez que la ligne droite, elle est particulièrement courte, et il faut donc être aux avant-postes si on veut prétendre euh, emporter cette, cette première étape ici à, à Charvieux-Chavagneux. Donc c'est vrai que les coureurs, heureusement, donc, connaissent cette particularité-là, cette particularité de la, de la première étape de l'Alpizère Tour et je pense que c'est tant mieux parce que c'est assez spécial, c'est vrai qu'on euh, n'a pas toujours euh, l'habitude de, de voir euh, des lignes droites d'arrivée aussi, aussi courtes finalement et euh, le, le sprint se gagne à Charvieux bien avant bien sûr le dernier virage à angle droit qui nous conduit donc euh, sur cette belle ligne d'arrivée tracée au cœur de la ville de Charvieux-Chavagneux. En tout cas donc euh, je dirais aujourd'hui euh, mon cher euh, Lilian que la parole est au grimpeur sur une étape de plat. Oui, c'est vrai, c'est le, le cas en tout cas pour l'instant avec euh, des grimpeurs. On vient de parler de Pierre Roland, justement. On peut se, se demander effectivement quel est l'enjeu pour lui dans une étape comme cela, et bien simplement de la passer sans encombre. Et euh, on voit également les, les coureurs de Chambéry Cyclisme Formation qui viennent se, se repositionner. Eux non plus n'ont pas forcément grand-chose à jouer aujourd'hui sur cette euh, première étape. Mais euh, finalement, et bien les, les sprinters sont presque en deuxième rideau aujourd'hui. Alors, euh, il faut dire qu'on n'a pas non plus de grands sprinters... Avant vous annoncer sur, sur l'Alpizer Tour, de quoi nous permettre peut-être un final un petit peu ouvert d'ailleurs sur ce circuit, mais ce qui est peut-être également l'illustration de cette situation à l'avant du peloton, un petit peu particulière, où finalement les équipes de leaders roulent à l'avant de, de la course, où l'allure n'est pas si soutenue, alors qu'on va pourtant entamer dans quelques instants les 20 derniers kilomètres. On est donc à une petite... Toute petite demi-heure du final. Et la formation Unox qui vient se repositionner, peut-être à l'avant, avec euh, effectivement un petit coup d'œil derrière la formation Alpecin Les Tudors qui reviennent aux avant-postes après l'offensive, l'échappée d'Aloïs Charin tout au long de la journée. Et bien l'équipe Tudor qui vient se remettre à la planche en tête de peloton pour euh, et bien, préserver leur, leur chance avec des coureurs qui auront à cœur de, de jouer les premiers rôles tout au long de la fin de semaine, comme Alex Baudin. Donc, le coureur français également de cette, de cette formation. Et euh, alors, attention, sur ce, ce rond-point, on, on s'est fait un petit peu surprendre en le sortant un petit peu large pour une partie du parcours. D'autres ont carrément coupé sur la piste cyclable. Allez, on va, on va serrer les dents et, et espérer effectivement que tout se passe pour le mieux dans une course qui va quand même commencer à monter en nervosité. Oui, tout à fait. Nous, nous approchons donc euh, du circuit final d'arrivée ici à, à charvieux euh, chavagneux En vous rappelant donc qu'il y a euh, trois tours d'un circuit de 4 km, nous sommes à maintenant moins de 10 km hein, de l'entrée sur ce, sur ce circuit de Charvieux. Et vous voyez que du peloton maintenant donc les le timo alberg donc a laissé place à d'autres coureurs notamment de la formation euh, BNB et c'est vrai que on voit aussi donc l'équipe l'équipe anglaise qui euh, met un petit peu le le nez à la, à la fenêtre actuellement, en tout cas toujours donc, les BB Hotels KTM, et puis cette, cette équipe anglaise qui vient sur le, sur le côté gauche là, donc, de, de l'écran, l'équipe Trinity Racing, donc, euh, une équipe dirigée par Yann Stanard d'ailleurs, entre parenthèses, il faut le rappeler, il a des, des directeurs sportifs de renom sur l'Albizer Tour, Yann Stanard en est un, et c'est vrai que cette équipe anglaise, on l'avait... Pas vu du tout hein, tout au long euh, de ces euh, 100 on va dire ces 100 premiers kilomètres de course mais ils apparaissent ça tout simplement parce que ils ont peut-être une, euh, une carte à, à jouer ici à chariot chavenion on a l'impression que on monte en gamme maintenant hein. Oui. oui, ça y est, c'est parti. Les, les 20 derniers kilomètres, effectivement, qui euh, sonnent finalement l'accélération la, de ce peloton avec euh, toujours un petit peu les mêmes équipes le Foralberg la formation Carn Pharma, là aussi, pour, pour protéger les leaders. Mais peut-être bien cette formation euh, Trinity Racing, prête à en découdre, elle. Pour un sprint éventuel, même chose pour le, le team DSM Development, même chose pour Alpecin Phoenix également, juste derrière, attention sur cet îlot directionnel, ça passe sans problème, beau travail bien évidemment de l'ensemble de l'équipe sécurité et des motards, on souligne l'importance de, de ces drapeaux jaunes et euh, effectivement qui permettent au, au peloton euh, d'évoluer et euh, là on va voir effectivement également qui a bien étudié le, le roadbook à savoir s'il faut passer à droite ou à gauche <laughs> des différents îlots et des ronds-points qui conduiront les, les coureurs jusqu'au final en tout cas l'intérêt d'avoir un circuit final également c'est de pouvoir le reconnaître au euh, premier passage et eh bien on aura l'occasion du côté de ces équipes euh, de voir les, les principaux points techniques, les principales difficultés il ne faudra pas perdre de temps à s'adapter puisqu'on sera déjà dans les dix derniers kilomètres hein, lorsque l'on abordera la deuxième réalisation de ce circuit. Allez ici, euh, on, on, va, on va tout droit, on vient se, se séparer à droite comme à gauche et à 18 km de l'arrivée toujours. Finalement, le team Vorarlberg aux avant-postes. Oui, on retrouve effectivement l'équipe autrichienne très reconnaissable avec ce maillot de couleur jaune. Vous voyez, c'est peut-être prédestiné, mais en tout cas, c'est vrai que l'équipe autrichienne fait, fait merveille dans cette, dans cette première étape où il y a beaucoup d'îlots directionnels, de, directionnel, de ronds-points notamment dans le, dans le final. Il faut en banlieue de Lyon finalement et cette agglomération lyonnaise qui s'étend euh, tout autour de la place Bellecour à environ 40 km à vol d'oiseau, eh bien engendre des, des ronds-points, des îlots directionnels. C'est euh, une situation qui n'est pas facile à gérer pour euh, un peloton qui, je rappelle, est riche euh, de 126 partants, donc euh, 126 coureurs. Il y a eu quelques abandons, mais il y a au moins, je pense, une bonne centaine d'unités encore au sein de, de ce peloton. Euh, peloton donc très très dense à l'approche maintenant euh, du circuit euh, d'arrivée ici à, à charvieux chavagneux nous ne sommes plus qu'à à 6 km hein, de circuit on voit les motos maintenant euh, qui, euh, qui remonte les motos sécurité. C'est dire qu'effectivement, euh, l'entame et l'approche de, de ce circuit final est, est relativement, relativement proche. En tout cas, donc, peloton groupé à quelques 6 km de l'entrée sur le circuit de Charvieux-Chavagneux. Euh, peloton groupé, Lilian, hein. il y a peu de choses à dire pour l'instant, on va dire. Non, effectivement, mais on, on attend avec impatience hein, ce, ce premier passage. On a du monde sur la ligne d'arrivée également pour accueillir les coureurs pour un premier passage sur la ligne dans 5 km 500. Il restera alors trois réalisations de 4 km à, à couvrir. Et euh, le team d'SM revient aux avant-postes. Ça commence à, à frotter un petit peu. On, a, voilà, on accélère franchement maintenant du côté. De cette équipe allemande qui est également une réserve de l'équipe professionnelle World Tour que vous connaissez, dans laquelle évolue un, un certain Romain Bardet pour ne citer que lui. Et euh, néanmoins, on reste très vigilant derrière avec les coureurs du team Vorarlberg, toujours avec Alexis Guérin parmi eux, notamment 5 km effectivement avant ce premier passage sur la ligne peloton compact. On ne voit pas de coureurs qui aurait. Était distancé. En revanche, tout le monde a les yeux rivés sur l'avant, sur les premières positions. Et maintenant, tout le monde veut y être, et on sent que c'est pas si évident de remonter sur le côté de la route. Le vent doit souffler un petit peu. L'allure s'est accélérée. Effectivement, maintenant, il faut appuyer un petit peu plus fort pour remonter aux avant-postes. Et plus personne ne veut laisser sa place. Ah oui, les places, effectivement, plus on va s'approcher de. Euh, ce circuit final d'arrivée et donc de la ligne d'arrivée bien sûr. Plus les places seront chères et difficiles à, difficiles à prendre en tout cas donc bel effort un hein, des, des coureurs amateurs de, de Chambéry euh, qui euh, sont sur la, la gauche de la route le team euh, ag 2 Citroën euh, U23 Chambéry Cyclisme Formation qui essaye effectivement de de, de placer euh, un, un coureur pourquoi pas peut-être un, un Valentin Rotaillot euh, notamment euh, des coureurs qui effectivement euh, ont l'habitude de, de se frotter à ces équipes professionnelles et qui aujourd'hui effectivement ont leur mot à dire, pourquoi pas, euh, ça ne serait pas une surprise de, de voir euh, mon cher Lilian un, un amateur d'Amel professionnel aujourd'hui. Oui, effectivement, et c'est ce qu'on peut leur souhaiter, en tout cas aux, aux coureurs amateurs, d'être aux, aux avant-postes dans le final, comme ils l'ont été dans l'échappée, avec, on le rappelle, la présence d'Anthony Chambreau-Dumont, qui sera d'ailleurs récompensé du maillot de meilleur grimpeur euh, tout à l'heure sur le podium protocolaire, avec euh, du côté du classement euh, des sprints. et bien, la, la confirmation, c'est qu'Aloïs Charin nous rejoindra. Effectivement, on a deux classements hein, avec ses euh, avec points. Le classement des sprints, euh, qui tient compte uniquement des sprints intermédiaires. Aloïs Charin sera récompensé à ce titre, et le classement par point dans lequel nous ajouterons les points marqués à l'occasion du sprint final sur la ligne d'arrivée. Et là, effectivement, cela pourrait renverser la tendance. On attendra un petit peu plus pour en avoir. Le dénouement du côté du classement de la combativité, classement du combiné en tout cas aujourd'hui entre ces euh, différents euh, points de passage intermédiaires. Pour l'instant, Anthony Chamra Dumont est leader dans ce classement. Voilà les, les positions et les euh, différents coureurs que nous retrouverons sur le podium tout à l'heure. Le vainqueur de l'étape, à lui, eh bien il va falloir encore patienter 15 km, une toute petite vingtaine de minutes avant le dénouement de cette première étape autour de Charvieux Chavagneux, le peloton qui entre d'ailleurs dans la, dans la commune à 3 km du nouveau passage on va entrer sur le circuit dans 1 km, à 14 km de l'arrivée on sera déjà sur le circuit on viendra rallier cette ligne il restera alors 12 km voilà donc les, les coureurs que nous allons pouvoir accueillir sur la ligne et qu'on ne va plus quitter des yeux, on le rappelle que ce soit sur les écrans géants de la ligne d'arrivée, sur les différentes pages Facebook de l'événement, sur la chaîne Youtube de Black est en direct sur Télé Grenoble pour les 15 derniers kilomètres. Ah, ça nous permet, ça nous promet un beau spectacle, hein, ce, ce final ici à, à Charvieux, plein de, de suspense finalement, parce que euh, rien n'est fait hein, dans, ce, dans ce sprint final. Bien entendu, vous voyez que le peloton est, est particulièrement compact, malgré les, les îlots directionnels qui font que ce, ce, ce peloton se scinde en, en deux. Ça, c'est inévitable, une partie à droite, une partie à gauche, mais il est clair que ça vraiment l'envie de, de remporter cette, cette première étape est là et c'est sûr qu'aujourd'hui le, le vainqueur qui va endosser entre parenthèses le premier maillot jaune de cette 31e édition de l'Alpizer Tour c'est une épreuve qui marque dans les, dans les palmarès et dans les esprits et effectivement beaucoup 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 de, de ces coureurs ont envie de, de, de bien faire et envie de, de, de remporter cette, cette première étape, bien entendu, pour pouvoir repartir demain des abrés avec le, le maillot jaune de... Du département de l'Isère sur les épaules, mais très très difficile. Hein. Vous voyez ce, ce, ce final avec euh, le, le dauphin qu'on aperçoit donc euh, au cœur de ce, de ce rond-point là. C'est euh, la marque du Dauphiné, bien entendu, puisque charvieux chavagneux c'est au cœur du Dauphiné, du Nord-Isère. Et c'est vrai que les rond-points euh, sont assez euh, inquiétants, mon cher Lilian. Hein. Beaucoup beaucoup de rond-points. Allez, on va pas trop en, en parler, c'est des artistes hein, sur le, le vélo et, et ils en ont l'habitude, c'est leur métier. Mais c'est vrai que vu sur les images, eh c'est des sacrés acrobates en tout cas qui abordent ce final. Et on va les retrouver donc euh, bientôt à la Flamme Rouge pour un premier passage dans un instant sur la ligne. Il va leur rester 3 euh, tours à couvrir. Le compte-tour affiche 3 effectivement sur l'arche d'arrivée. Et les coureurs qui vont être de retour maintenant pour euh, ce premier passage, 12 km encore à parcourir, la Flamme Rouge. Euh, dans ce circuit final qu'ils devront couvrir à trois reprises 4 km. Trois tours encore et un peloton compact qui va se présenter pour ce premier passage. Un peloton emmené par les formations également de Metex SolarWatt qui sont venus se repositionner. Une formation qui avait déjà brillé avec l'un de ses coureurs la saison dernière sur l'une des étapes de cet Alpizer Tour. Et derrière, avec les couleurs de Chambéry que l'on aperçoit également dans les premières positions, avec la Yumbo Visma Development qui est venue se repositionner également. On retrouve dans c'est première position, la formation Trinity Racing. Et on va pouvoir accueillir sur la ligne d'arrivée, pour le public présent effectivement, l'ensemble des coureurs de ce 31e Alpizer Tour. Le premier passage sur la ligne, il reste 3 tours à couvrir, 12 km encore. Et ce peloton, toujours aussi compact, allez, je crois qu'ils sont quasiment tous là hein, avec plus de, de 120 coureurs effectivement et ce sont bien les couleurs de Metex Solar What que l'on retrouve aux avant-postes avec Yap Rollen qui emmène le peloton peut-être favoriser un sprint pour peut-être Thijs Delang avec Tim Mersman également dans cette équipe qui vient de briller sur le Tour de Normandie où il a pris également la quatrième place du classement général lui qui avait terminé sixième sur le triptyque des Monts et Châteaux qui pourrait être l'élément dans le final pour cette équipe Metex Solar What Mantel et derrière on on s'accroche un petit peu. Alors je ne sais pas si on a eu des, des ennuis mécaniques. On essaie en tout cas de revenir du côté de, de Lorenz Pitié qui a été distancé le, le néo-zélandais. Donc et qui est passé sur la ligne avec une vingtaine de secondes de retard sur l'avant-garde du peloton. Au commandement maintenant, c'est donc cette équipe néerlandaise, composée d'ailleurs de six néerlandais, la Metex Solarwatt Montel. Voilà, il faut rappeler aussi euh, Lilian que l'année dernière, effectivement, c'était un coureur de Metec qui avait remporté l'édition 2021 de l'Alpizer Tour en la personne de Serge Bax, vainqueur de deux étapes d'ailleurs sur cinq de cette édition euh, 2021. Serge Bax avait euh, brillé, euh, avait, je dirais même, étincelé dans cette euh, 30e édition de l'Alpizer Tour et il remportait donc le classement général, le classement par points lui revenait aussi bien entendu en ayant remporté deux étapes. Donc la METEC est je pense une équipe qui vient avec de grosses ambitions sur les routes de l'Alpizer Tour et il ici euh, en mettant donc euh, trois voire quatre coureurs quatre garçons donc avec ses maillots noirs euh, aux avant-postes euh, je pense qu'ils ont effectivement l'ambition de, de, de bien figurer en tout cas dans cette euh, première étape je rappelle donc que nous sommes dans le troisième tour dans le, le premier de ces trois tours pardon et qu'il va rester au prochain passage sur la ligne d'arrivée deux tours c'est à dire 8 très très, très nous serons à deux tours du, du final de l'arrivée ici à Chervieux-Chavagneux, terme de la première étape de l'Alpe Isertour. Voilà, avec euh, les dix derniers kilomètres euh, qui vont être entamés dans un instant. Et euh, on peut le voir sur les images, c'est même compliqué pour nos caméramans hein, sur ce circuit un petit peu technique. Coup de chapeau à eux également et à tous les motards de l'organisation qui, qui couvrent à cette épreuve. Et euh, effectivement, avec ce, ce circuit assez technique. Et qui est dur à couvrir euh, effectivement avec ses différentes courbes, ses îlots directionnels, ses ronds-points. En tout cas, euh, pour l'instant, lui, le, le peloton reste euh, compact dans ce, cette phase de course. Les dix derniers kilomètres et une formation. Mais larouat SolarWatt qui a mis du temps à venir se positionner à l'avant. Mais je crois que la consigne avait été donnée. Il faudra être là au premier passage sur la ligne. Ils Néerlandais emmenés par Jaap Rollen qui sont passés en tête sur la ligne pour emmener ce peloton du côté de la Jumbo Visma Development. On est également remonté. Finalement, ce sont des Néerlandais que l'on retrouve parmi les mieux représentés ici dans les, les premières positions. Et euh, ici, attention, le, le rond-point. Alors, je, je ne vois pas d'ici, Jean-Claude. Il faut le prendre par la gauche ou par la droite, ce rond-point Moi, je, je prendrais plutôt par la gauche. Mais euh, c'est vrai que beaucoup de coureurs sont tentés aussi par, par la droite. En tout cas, euh, ce sont des hommes du, du plat pays qui, qui se retrouvent maintenant aux, aux avant-postes. On avait euh, donc des, des, des équipes de, de grimpeurs. Maintenant, effectivement, ce sont les, les sprinters qui ont mis en route et qui contrôle les opérations à environ 9 km de, de l'arrivée. Donc les coureurs sont dans l'agglomération même de Charvieux-Chavagneux. Ils vont virer sur la gauche pour entrer sur ce circuit d'arrivée et effectuer une deuxième boucle de, de, de 4 km. En tout cas, euh, il faut rappeler que, on en parlait tout à l'heure de ces coureurs hollandais. Il n'y a pas moins de 16 nationalités présentes sur les routes de l'Alpizer Tour. Il y a bien sûr des coureurs français, il y a des coureurs anglais, des estoniens, des, des néo-zélandais, des australiens, des italiens, des israéliens, des hollandais, des belges, euh, norvégiens, suisses, autrichiens, danois, tchèques, espagnols et allemands. Voilà donc la longue liste des, des coureurs euh, qui ont rejoint les, les routes de, de l'Alpizer Tour aujourd'hui, emmener donc ce peloton par les casques jaunes et les maillots noirs de la Metec. Et pour un nouveau passage sur la ligne, alors le contour va afficher 2 hein. dans un instant. Deux tours encore à couvrir les huit derniers kilomètres pour euh, l'ensemble de ces coureurs avec euh, cette formation euh, Metec SolarWatt Mantel que l'on retrouve. Aux avant-postes, toujours avec les coureurs de Chambéry derrière. On est venu se positionner à gauche de la route pour la Yumbo Bismarck Development. Et voilà donc ce, ce peloton toujours aussi compact que l'on retrouve pour ce deuxième passage. Il reste deux tours. À couvrir maintenant avec euh, voilà les coureurs qui sont qui sont rentrés je crois que quelques coureurs qui avaient été distancés ont pu faire euh, leur retour et effectivement pas euh, d'inquiétude ou en tout cas pas de risque avec les délais aujourd'hui l'étape était, euh, était rapide mais effectivement pas d'inquiétude pour l'ensemble de, de ces coureurs même des coureurs qui se relèvent maintenant après avoir fait leur part du boulot également pour venir repositionner leur leader c'est le cas du côté de la Trinity Racing avec Alexander Hayek qui laisse filer maintenant l'Autrichien ce euh, peloton aux avant-postes avec également à l'arrière des, des coureurs comme Alexandre Jamais pour le C Saint-Etienne Noir que l'on vient de voir passer sur la ligne d'arrivée. Nous on va rester Concentré sur ce qu'il se passe à l'avant de la course avec toujours les six coureurs bien en rang de la formation Metec et un gros travail de Yap Rollen, le néerlandais, cinquième d'étape sur le Tour de Namur. Il avait pris une place dans le top 20 sur Kurn Bruxelles-Kurn lorsqu'il évoluait dans la catégorie junior et qui effectivement étire petit à petit ce peloton lorsqu'ils reviendront à 4 km de l'arrivée, ce sera le son de la cloche pour annoncer le dernier tour. Ouais, en tout cas, la METEC ne laisse à personne le soin d'emmener de, le peloton. C'est vrai qu'aujourd'hui, la formation la, la rouette donc, contrôle les, les opérations dans ces derniers kilomètres. Et ça roule tellement vite que plus personne ne peut prendre le vent et en tout cas se, se risquer euh, de, de perdre de, de l'énergie et, et euh, effectivement euh, les corps euh, hollandais maîtrisent vraiment maîtrisent les opérations euh, à tel point donc on retrouve en tête pratiquement l'ensemble de la, de la formation euh, néerlandaise et vous resterez avec nous bien sûr juste après l'arrivée puisqu'on essaiera d'avoir la réaction du vainqueur est-ce qu'il sera néerlandais pour cette équipe METEC et eh bien réponse dans quelques minutes mais juste après eh bien, on retrouvera notre plateau avec on l'espère la première réaction du vainqueur et on vous donnera ensuite sur Télé Grenoble rendez-vous demain du côté de Charbu on continuera avec la cérémonie protocolaire l'occasion de récompenser effectivement les différents coureurs les différents lauréats du jour pour la l'instant on est à 6 km de l'arrivée, un peloton qui était compact tout à l'heure mais qui s'étire de plus en plus alors que la route est pourtant large effectivement, ça devient de plus en plus compliqué de remonter et même les coureurs de la Yumbo Visma Development Team que l'on voit depuis tout à l'heure essayer de remonter aux avant-postes et eh bien ne parviennent pas à venir faire du coude à coude avec la formation METEC, c'est effectivement un duel entre deux équipes néerlandaises mais pour l'instant la METEC qui, qui contrôle bien et qui elle prend à gauche, le fameux ouais, rond-point. Tout point. à fait, oui. Et c'est peut-être un petit avantage parce qu'effectivement, on voit que les coureurs de la de la Metec qui sont partis sur la gauche ont pris quelques mètres. Hein. C'est une information importante et je dirais, Lilian, euh, euh, une information intéressante pour le, le dernier passage, le dernier tour. C'est vrai qu'il y a des choix, j'allais dire euh, stratégiques euh, à, à opérer et euh, les coureurs euh, néerlandais qui sont euh, déjà des habitués hein, de l'Alpujarr Tour puisque Beaucoup d'entre eux donc, ont déjà participé à, à l'édition précédente. et eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin pour eux en tout cas de venir repérer les lieux. Ils euh, se sont euh, facilement rendus compte qu'ils avaient euh, des, des intérêts et qu'ils pouvaient peut-être emporter cette victoire ici à Charvieux-Chavagneux. La flamme rouge avant un avant-dernier passage sur la ligne. Le dernier, ce sera l'arrivée, effectivement. Et pour l'instant, eh on va retrouver un dernier passage. Et à n'en plus douter maintenant, l'arrivée qui se jouera au sprint. Alors qu'on voit une équipe qui a pris sur la gauche de la route et à droite de l'écran pour venir se repositionner peut-être avec la formation AG2R Citroën U23 un maillot assez éclair que l'on a reconnu dans les premières positions du peloton à 500 mètres du passage sur la ligne le compte tour qui va afficher 1 avec effectivement les 4 derniers kilomètres de cette première étape il n'y avait que 118 kilomètres elle a été marquée donc cette étape par une échappée puis par une interruption et finalement Finalement, c'est une arrivée au sprint qui va se jouer maintenant après. Un peu moins de 3 heures d'épreuve. Et bien dans 4 km, le dénouement effectivement. Et on va pouvoir les retrouver une dernière fois pour un passage. Le son de la cloche qui retentit. Et on a mis en route maintenant du côté de Chambéry Cyclisme Formation. Avec uh, cette équipe Espoir de l'équipe AG2R qui roule effectivement dans les premières positions. On avait 4 coureurs dans ces, ces premières positions. Alors on va miser sur qui dans cette uh, équipe. Peut-être sur un, un Jordan Labrosse, sur un Henry Lout le Britannique également qui pourrait tirer son épingle du jeu dans le final. Mais en tout cas, c'est bien cette équipe de National 1 qui prend les commandes maintenant à 4 km de l'arrivée. La formation METEC qui avait mis en route semble maintenant en deuxième rideau. Alors que derrière, cela fait de plus en plus mal et que de nombreux coureurs sont distancés. Pas d'inquiétude pour eux. On les retrouvera demain au départ des abrés. Pour l'instant, à moins de 4 km de l'arrivée, c'est la formation de Chambéry ag 2 Citroën. U23 que l'on retrouve. Donc euh, dans les dans les premières positions Voilà donc les derniers kilomètres et on aura la, la surprise véritablement dans cette dernière ligne droite de retrouver les images finales puisqu'effectivement là aussi pour des raisons de sécurité on a arrêté le maximum de véhicules. Je ne suis donc pas certain que l'on puisse retrouver les images de ce dernier tour. Ce sera donc la surprise pour la, la ligne d'arrivée finale avec les coureurs effectivement de Chambéry Cyclisme que l'on a vu prendre les commandes au son de la cloche avec euh, effectivement des cartes à jouer euh, qu'on attend euh, véritablement dans la montagne, mais qui pourraient bien euh, venir euh, perturber un petit peu ce final et euh, concurrencer ces équipes professionnelles pour des coureurs qui seront professionnels dans le futur. Valentin Retaillot, le champion de France Espoir, euh, qui n'est pas sprinter, mais pour citer effectivement euh, ce, ce jeune champion qui lui passera professionnel dans les rangs de cette équipe AG2R, Citroën Team, euh, ce sera euh, au mois d'août. Prochain et dans cette équipe également, donc à Henri Lauton, peut-être pour faire le sprint, et également Jordan Labrosse, qu'on a vu terminer deuxième de la Vienne Classique en Coupe de France Nationale 1. Il avait terminé troisième sur le Grand Prix du Pays d'Aix également. Il a remporté le Tour des Deux-Sèvres, le Grand Prix de Cour-la-Ville, chez lui, où il a grandi, où il a été licencié dans son club. Il a brillé sur le Tour de l'Ardèche Méridionale. C'est peut-être bien pour lui que l'on fait le travail maintenant en tête de course. Oui, c'est vrai que le duo labrosse chaussinant effectivement peut, peut faire merveille hein, sur, ce, sur ce type de, de profil, euh, un profil donc plat, extrêmement plat, alors que pas sur la ligne de la décor. Euh, attardés bien entendu des coureurs qui effectivement ont fait leur leur part de, de travail tout au long de, de cet après-midi et qui maintenant euh, sont je dirais pratiquement en, en roue libre bon, pour terminer euh, cette euh, cette première étape en tout cas donc nous allons certainement avoir euh, une, une arrivée avec un, un sprint un sprint royal ici à Charvieux c'est toujours c'est toujours la, la, la même chose donc on a toujours un, un très très beau sprint final ici à, à charvieux chavagneux avec des, des vainqueurs on va dire prestigieux des coureurs de de renom et ça ne serait pas surprenant ici de, de voir effectivement un futur un futur grand sprinter l'année dernière donc on avait vu des Vandenberg notamment on a vu des Nicolas Larsen gagnait ici. Et c'est vrai que, euh, toujours donc euh, sur ce circuit euh, final, euh, des, de, de véritables euh, noms du, du cyclisme, des, des, des coureurs en, en devenir euh, s'illustrent sur cette, sur cette ligne d'arrivée, où on a vu notamment des coureurs comme, euh, comme Julien Guel emporté, comme euh, Samomen. Voilà! La flamme rouge, Lilian. Oui, le dernier kilomètre avec euh, l'ensemble des coureurs que l'on retrouve sur nos images. Un dernier kilomètre pour aller euh, chercher la victoire. Et je crois que c'est toujours l'équipe de Chambéry aux avant-postes. Je crois que la groupe AMA FDJ Continental est remontée également dans les euh, premières positions. Euh, voilà, avec euh, la formation METEC et on se jauge un petit peu. On essaie de euh, mener euh, ce peloton sur la, la gauche de l'écran avec euh, d'autres équipes. C'est bien un maillot de la formation Groupama FDJ que l'on retrouve aux avant-postes, est-ce qu'on va essayer de, de faire un petit trou avant d'aborder cette dernière ligne droite les 200 derniers mètres et le sprint lancé maintenant pour l'ensemble de ces coureurs pour aller chercher cette euh, victoire d'étape et le maillot de leader sur les routes de l'Alpizer Tour avec un coureur de la formation METEC que l'on retrouve encore une fois aux avant-postes pour Chambéry peut-être également on remonte, ce sera pour un coureur de la formation Alpecin Phoenix qu'on n'a pas beaucoup 5, vu 5, 5. depuis euh, tout à l'heure et peut-être bien avec Henry Ulich, le coureur allemand qui euh, devrait remporter cette première étape de l'Alpizertour Tour, et effectivement au terme d'un sprint où finalement et eh bien c'était pas si indispensable d'avoir une équipe pour, pour le mener puisque eh bien ce, ce corps d'Alpecin-Phoenix qu'on a absolument pas vu dans le final hein, le, le maillot d'Alpecin qui est resté toujours en 3 ou au, au 4 euh, rideau et eh bien qui vient finalement enlever l'étape avec Henry Ulich voilà confirmé à la photo finish qui vient s'imposer pour cette équipe Alpecin-Phoenix la formation METEC qui échoue à la deuxième place avec Arthainz de Debris il y a pour la formation METEC qui également serait euh, troisième. Euh, voilà donc le, le podium provisoire et sous réserve de, de validation bien évidemment à la, à la photo finish par le jury des arbitres, le podium de cette étape avec un coureur allemand. En tête, Henri Ullich pour la formation Alpecin Phoenix Development et enfin, donc euh, les deux coureurs de la formation Metec, deuxième et troisième position pour eux. C'est euh, assez terrible pour cette équipe qui a bien roulé tout le final et qui finalement eh bien, ne parvient pas à, euh, à renverser la tendance, à mettre la balle au fond sur euh, les derniers mètres. à noter une belle place dans le top 5 pour Noa Necht de la formation de Bourg-en-Bresse, cyclisme. Henri Lawton pour la formation G2R Citroën U23 termine finalement à la cinquième place alors que on revoit les images de ce sprint ça a bien frotté et finalement le coureur allemand Henry Hulich qui vient chercher la victoire dans cette première étape et qui va donc revêtir le premier maillot distinctif maillot de leader sur les routes de l'Alpizer Tour premier leader en empochant par la même occasion donc les 10 secondes de bonification qui pourraient être Assez utile demain pour défendre ce maillot. En tout cas, cette équipe alpecin Phoenix qui devra euh, assumer demain le, le poids de la course pour euh, essayer de conserver ce, ce maillot. Oui, on, euh, ouais. on va rejoindre le plateau, essayer de retrouver également André Ulich pour sa, sa première réaction. On va retrouver quelques mots du président du conseil départemental de l'Isère. On se retrouve juste après sur le plateau. L'Alpizer Tour s'annonce encore cette année comme une magnifique édition. On est très heureux d'être partenaire de, de cet événement pour plusieurs raisons. Pour deux raisons, la première c'est que c'est une épreuve qui s'inscrit dans le calendrier national et international, que beaucoup de, de champions ont fait leur premier pas dans cette épreuve. Et euh, deuxièmement, bah parce que le vélo euh, regroupe euh, une, un engouement. C'est un engouement populaire qui regroupe toutes les catégories euh, sociales. Et on est heureux d'offrir ce, ce spectacle gratuit pour tous. Le nouveau nom d'Alpizer Tour prend tout son sens encore un peu plus cette année, puisqu'on va avoir une cinquième étape qui va traverser la, la Chartreuse. Et c'est vrai que, que l'Isère est un formidable terrain de jeu pour tous les, les cyclistes. Je suis très fier d'être partenaire de, de cette épreuve, très fier aussi des équipes qui accompagnent cette épreuve, que ce soit Michel Beau ou l'ensemble des, des bénévoles. C'est plus d'une centaine de bénévoles qui, qui s'investissent. Tout simplement aujourd'hui, Aujourd'hui je veux leur dire merci parce que eh bien sans eux l'Alpizer Tour n'existerait pas. et bien voilà terme de cette, de cette première étape de l'Alpizer Tour on revient au plateau effectivement en espérant avoir dans un instant la réaction du vainqueur du jour Henry Ulrich. le coureur allemand il avait brillé sur une classe 1 en Italie à la fin du mois d'avril et il vient récidiver sur les routes de l'Alpizer Tour maintenant et effectivement donc Henry Ulrich pour la formation Alpecin qui vient chercher la victoire dans un final non pas houleux mais très très nerveux en tout cas Jean-Claude oui tout à fait oui un final un peu époustouflant euh, c'est vrai que euh, ce qu'on peut dire aussi, euh, Lilian, c'est que euh, la formation alpécine, on la voit beaucoup aujourd'hui sur les routes du Tour d'Italie. On découvre donc cette formation ici, sur les routes de l'Alpizer Tour. En tout cas, ils ont un nombre incalculable de, de victoires et ils viennent d'en rajouter une aujourd'hui. Bravo à cette, euh, cette formation parce qu'ils ont vraiment fait merveille aujourd'hui. Et un, un coup d'œil sur la formation euh, METEC également euh, qui vient euh, prendre les, les deuxièmes et troisième positions malheureusement pour cette équipe néerlandaise alors qu'on retrouve les images du sprint final et qu'effectivement eh euh, ça a été attendu euh, jusqu'au bout et finalement donc le coureur allemand de cette formation Alpessine Phoenix qui a même eu du mal à lever les bras tellement il fallait euh, garder sa ligne sur cette, euh, sur cette ligne d'arrivée avec euh, les coureurs de la formation METEC qui font 2 et 3 à noter une belle place dans le top 5 pour Noah Nech de la formation Bourg-en-Bresse un cyclisme euh, premier coureur amateur finalement dans cette étape Ouais, L'équipe METEC va faire la gueule. Hein. C'est la gueule de METEC ce soir. <laughs> ah ouais, J'ai l'impression hein, pour eux qui étaient allés en chercher une hein, l'année dernière sur euh, les routes de l'Alpizère Tour. Ah, eh ce ne sera pas pour cette première étape. Il faut savoir partager également. Mais c'est vrai qu'on les a vus au premier passage sur la ligne. Ça a été finalement la, la première équipe de sprinteurs à vraiment mettre les bouchées doubles pour préparer un sprint massif. Et finalement, ils font 2 et trois. Eh bien C'est le vélo. C'est dommage pour eux. Mais coup de chapeau à André qui s'est un petit peu débrouillé tout seul, notamment dans le final, parce que c'est vrai que la formation. À le Pessine Phoenix, on les a pas forcément beaucoup vus euh, au moment d'aborder les, les trois tours de circuit. Non, tout à fait. Hein. Je dirais que c'est une équipe qui a été relativement euh, discrète. Si on peut tirer la conclusion euh, de cette première étape, donc par par une belle échappée un mano à mano entre Aloïs Charin et le reste du, du peloton cette chute malencontreuse qui a un peu je dirais terni cette première étape puisque l'épreuve a été coupée pendant plusieurs minutes Aloïs Charin ensuite bien entendu est reparti avec toujours ses 45 secondes d'avance mais a été repris la dernière partie on va dire a été marquée dans un premier temps par les équipes de grimpeurs, hein, on a vu beaucoup, beaucoup les équipes de grimpeurs essayer de contrôler l'étape et puis ensuite, Ensuite, les sprinteurs ont embrayé et c'est vrai que le dernier mot est revenu vraiment aux sprinteurs. Et oui, effectivement, et comme, comme tu le disais, hein, Jean-Claude, ces équipes de leaders, le Team Vorarlberg, la, la BNB Hotel également, qui ont euh, essayé de, de contrôler un petit peu l'épreuve pour aborder sereinement le final. Mais à la fin, eh bien, comme on s'y attendait, euh, ce sont les équipes de sprinteurs qui ont fait le, le travail principal donc en tête. De, de, de course voilà donc alors que <laughs> oui le, le, le plateau a été installé juste à côté du, du podium protocolaire on va y filer tout à l'heure j'ai aperçu anne Ulich. alors je ne sais pas si on va pouvoir nous, nous l'amener pour sa première réaction après quoi on, on rendra l'antenne hein, sur, sur Télé Grenoble et sur les différentes plateformes de suivi parce que euh, la course va continuer également euh, demain et on sera toujours en direct bien sûr demain donc rendez-vous euh, aux abrés en, en Dauphiné pour vivre euh, cette, deuxième, cette deuxième étape c'est vrai que c'est un fief du vélo qui nous accueille demain en tout cas une, une petite curiosité mon cher Lilian c'est que dans l'équipe alpocine il y avait un seul coureur allemand et c'est ce coureur allemand qui a gagné oui, Effectivement avec de, de nombreux néerlandais qui avaient emmené euh, le, le sprint, on avait vu la Yom Bobisma, la formation METEC et effectivement les, les coureurs de METEC forcément un petit peu euh, déçus sur le, le final mais on va en retrouver néanmoins sur le podium protocolaire pour les différents classements. À noter que du côté des classements annexes, Anthony Chamra du Monde devrait aller chercher pour le Vélo Club Villefranche Beaujolais le maillot de meilleur grimpeur sur les routes de l'Alpiser Tour. Différents maillots que nous retrouverons également demain au départ. Et parmi donc les, les leaders des classements des sprints, on va retrouver bien sûr Alois Charin de l'équipe Tudor Pro Cycling. Alois Charin qui remporte là aussi euh, le, sprint, euh, le sprint polar, euh, puisqu'il a remporté donc la plupart des, des, des sprints aussi, des sprints intermédiaires. Donc, euh, leader ce soir du classement général, l'allemand Heinrich Ulich euh, Pour euh, le classement par points et la combativité, nous allons attendre. Quelques petites secondes on, 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 et on va essayer et, de, de connaître donc les euh, lauréats du jour. Et on va peut-être essayer d'avoir une petite réaction. Mi Mi Michel Bope. Venez, directeur de, de l'organisation, peut-être pour un, un petit mot rapide avant de filer du côté du, du podium protocolaire. Uh, directeur de, de l'organisation, uh, Michel Comblé, j'imagine. Après cette, uh, cette première étape, ça n'a pas été de, de tourpeau, Une étape un petit peu nerveuse. Bah, C'est le, le vélo, mais un superbe final néanmoins nerveuse on n'est pas étonné parce que c'est toujours comme ça et la, la première étape elle échappe pas à par la règle on a toujours une course qui est dynamique donc c'est ce qu'on attendait après bon malheureusement il y a eu cette chute qui a un peu bouleversé le, le, le fonctionnement de, de l'échappée d'abord et puis de, de la course derrière qui a été obligée d'être neutralisée parce qu'on n'a plus de moyens de secours l'évacuation éventuelle s'il y avait eu d'autres... Je change juste de micro, on a un petit souci technique apparemment. Bon, ben on va y arriver. Donc, euh, la, la, la chute a effectivement bouleversé le, la fin de l'étape. C'est un petit peu dommage. Après, bon, voilà, ça, ça, à mon avis, ça a changé euh, peut-être le, les réactions. On aurait peut-être eu un final au sprint également, mais euh, à mon avis, ça a changé l'émotion et, le, et le, les, la volonté des coureurs. Cette chute-là a refroidi beaucoup de gens, ce qui fait qu'on a eu une course qui était à mon avis un peu plus bloquée dans le final qu'on aurait pu l'avoir autrement. Oui, malgré tout, un, un joli circuit, un circuit qui a été un, un petit peu réduit mais qui nous a permis finalement encore plus de, de spectacles et qui nous montre que ces sprinters, c'est quand même des sacrés acrobates également. Oui, c'est des sacrés acrobates, on le sait, et c'est pour ça qu'on n'a pas été inquiet quand on a un circuit final comme ça, même si il peut paraître scabreux et, et étroit et avec des difficultés, les coureurs, c'est comme vous le disiez, des, des vrais acrobates et, et ils arrivent à nous présenter des, des spectacles qui sont vraiment intéressants. Quoi. Je crois qu'on va pas tarder à basculer Michel du côté du podium protocolaire, merci à, à toi pour cette, uh, cette réaction, je vois les coureurs également qui sont en train de, de se changer, de se préparer pour la, la suite effectivement avec les uh, remises de récompenses que nous allons uh, suivre avec ces, ces différents coureurs. On rappelle donc le, le maillot du classement par points qui va être remis, le meilleur sprinter sur les sprints intermédiaires qui va être récompensé également, le meilleur grimpeur, il aura ce, ce maillot violet typique de l'Alpizer Tour, ce sera donc Anthony Chamra Dumont, alors que nous on retrouve eh bien, le, le top 10, top 9, confirmé sur les images avec André Ulrich qui s'impose, le coureur allemand. Avec Artes de Vries pour la formation Metec qui termine à deuxième place, Yap Rolain, son coéquipier, et troisième, Noa Nech vient chercher une belle quatrième place, Henri Lauton prend la cinquième place pour une équipe g 2 r Citroën. U23 qui avait bien travaillé également dans le final. Sim Kiskonen, euh, également amateur pour la, le C saint étienne Noir vient prendre une belle 6 place. Matej Zalka pour la formation Alkov-Casper est 7ème. Nils Van de Pute pour la formation Alpessine vient également rentrer dans le top 8. à noter la belle 9ème place de Fabian Weiss pour la formation Tudor Pro Cycling Team euh, qui vient chercher donc une, une place dans le top 10. Un sprinter qu'on a l'habitude de retrouver euh, sur la piste également et dans l'équipe nationale euh, suisse et qui euh, aujourd'hui, dans les rangs de cette équipe Tudor est allée chercher une belle place dans le top 10, une équipe euh, Tudor qui a été Jean-Claude très présente avec notamment cette euh, belle échappée d'Aloïs Charin. Oui, effectivement, c'est vrai que l'équipe Tudor, euh, on l'a beaucoup vu aujourd'hui. On a beaucoup vu un Aloïs Charin sur un terrain qui n'était pas forcément le sien. Ça a été surprenant hein, de voir euh, Aloïs Charin dès la, dès la première étape, donc tenter, euh, tenter l'échapper. En tout cas, il a, il a, fait, il a fait merveille, Aloïs Charin. Il est resté en tête pendant les, les trois quarts de cette, de cette première étape. Et c'est vrai que ça a été, je pense, le, le grand animateur, on dit, de cette première étape, c'est Aloïs euh, Charin. Voilà, et qui ne sera pas récompensé par le prix de la combativité, puisque c'est davantage un, un classement du combiné, hein, qu'un qu 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 combatif élu, comme on peut le voir sur les, les routes du Tour de France notamment. Et euh, néanmoins, Alois, qui a bien préparé le terrain pour cette formation Tudor Pro Cycling. Je, je crois qu'on est allé chercher le vainqueur, peut-être pour la, la réaction euh, dans, dans un instant, avec euh, effectivement le, le vainqueur, peut-être pour nous, nous rejoindre pour cette formation Alpestine. Phoenix, euh, voilà on est juste en train d'enfiler de, un, un maillot sec, euh, non pas qu'il fasse euh, froid mais qu'on a beaucoup transpiré pour euh, <laughs> effectivement Henry really. Ulich. Et on va revivre quelques-uns des meilleurs moments de, de cette étape avec un départ qui avait été assez rapide effectivement dès le kilomètre 0 puisque c'est vrai que dès le kilomètre 9 eh bien un premier sprint intermédiaire avait été disputé. Quentin Jorégui allait notamment chercher les access. Voilà le, le départ qui avait été neutralisé d'abord à la sortie de, de Charvieux-Chavagneux pour les 5 premiers kilomètres. 126 coureurs ont pris le départ tout à l'heure et euh, finalement donc à l'arrivée la victoire d'Henri Uli qui va très certainement nous, nous rejoindre? Un coureur euh, qu'on avait vu euh, notamment à l'aise euh, dans les championnats d'Allemagne de cyclocross également. Où il avait pris une troisième place. Il a brillé sur une épreuve italienne dans le, à la fin du, du mois d'avril et on va peut-être avoir sa, sa, sa réaction. Allez, avec un, un petit mot en anglais. With Henri Henriëlsch, effectively winner of of this stage, that was a hard final, very nervous with with many teams, and your team was in second or third position, but the best rider that was you. Yeah, we had a, a clear plan and it worked out, and the final was very hectic. Also, like. Uh, with the cursed many corners uh, speed bumps and stuff so it was hard to stay together as a team because like after the corners it was always a lot of movement and um, i said to the boys yo we need to stay calm stay chilled because the only important thing is to be in the last uh, lap in front and uh, yeah I, I didn't feel good all the day and i said to the boys yeah i don't know if i can sprint but they said yeah come on uh, it's just in the head and uh, I had a good position in the last corner, but the wind was like headwind, I think. And um, I accelerated early, but I didn't feel like I had the best legs and the best speed. But somehow I could come from the slipstream, and the others got slower, and then I could pass them. It's unbelievable. Ah oui, effectivement Henri qui, qui nous disait que finalement le plan a bien marché pour cette équipe Alpecin-Phoenix puisque dans le, dans le final on a eu du mal à rester groupé il y avait beaucoup de ronds-points un circuit extrêmement technique mais il a dit à ses coéquipiers voilà, il faut rester calme il faut rester euh, serein Et il nous disait qu'il n'avait pas forcément eu les meilleures jambes tout au long de la journée mais qu'au final dans le, dans le sprint il a su tirer son, son épingle du jeu juste un mot Henri sur uh, ce, ce, ce maillot jaune demain il y a une, une deuxième étape demain il y a une uh, deuxième stage il faut rester jazz how do you feel uh, about it yeah um, it's a long time ago i had a yellow jersey and never like in a tour like this like this big um, i think we will try to defend it but it will be hard and uh, i didn't feel good today i don't know how it will be tomorrow so if there are longer climbs i will have problems i think but we will try our best to uh, maintain the leader's jersey i think we have a good squad here everyone gives everything for us and uh, i am confident we can keep the jersey Alors Henri qui nous disait qu'effectivement ça allait être une mission compliquée de conserver le, le maillot jaune demain. C'est une, une étape dans laquelle il n'est pas forcément habitué à défendre un, un maillot de leader, mais on va tout donner du côté de, de l'équipe Alpesine Phoenix et on est relativement confiant. Thank you very much Henri. On, on, on le retrouve sur le, le podium tout à l'heure. Merci à, à toi. On va basculer du côté du podium protocolaire. Vous laissez sur les ondes de, de Grenoble de la chaîne YouTube, de Facebook également. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain également pour les 60 derniers kilomètres de la deuxième étape merci à tous à demain